for the try to. Salut vous. Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Oh là 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 là. Bienvenue. Wouh. Il y a déjà le wouh dans le chat d'un certain G Manhattan, évidemment, déjà dans le chat. Je sais pas qui c'est. Qui fait wouh. Évidemment. Oh, merci beaucoup Kennelly, bienvenue tout le monde, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Very Disco du mercredi soir. Où je parle des morceaux qui ont marqué la vie de mon invité. Et mon invité ce soir, c'est Marie Boiseau. Salut Marie, ça va? Bonjour, bonsoir. Alors je suis un peu surprise parce que bizarrement le son marchait très bien avant et là ça bug un peu. Mais ah merde, ça fait. Ouais, il y a des petites coupures, mais tranquille, je pense. Ouais. Parce qu'on est dans le... Attends, là tu fais une blague là. Oui, je fais complètement une blague. Ah bah j'étais dedans. Comédien évidemment. Ah mais oui, bah oui, c'est fou. Comédien. Ça va le faire, je pense. Ça va le faire, tu me dis. Si c'est trop gênant, il y a pas de souci, on peut. Je te laisse redémarrer si tu veux ouais. Et si tu veux aussi. Si tu veux. Il y a pas de souci. Je vais. Comment ça va, Marie? Ça va, un petit peu stressouille, mais tranquille. Mais oui, non, ça va. Il faut savoir que Marie, en fait, je l'ai invitée en septembre dernier. J'ai retrouvé les messages, ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas pourquoi, je l'ai invitée en septembre dernier. Tu m'as dit que tu savais pas trop, et puis après, je t'ai rassuré, t'as dit, bah ouais, du coup, pourquoi pas. Et littéralement, c'est. Ça, Non, mais c'est que c'est même pas ça. C'est que tu m'as invité, je t'ai dit, ah, je sais pas si j'aurais assez de choses à dire. T'as dit, oh non, t'inquiète, et je t'ai plus répondu. Ah oui, c'est à peu près ça, évidemment. Oui. C'est ça. Ouais. Donc elle m'a vraiment, vraiment ghosté. Oui, tout à fait. Alors qu'on s'est quand même, entre septembre et maintenant, en plus, on s'est genre revu en vrai dans des bars. Tu vois, genre, c'est pas comme si on s'était plus parlé du tout. C'est ça qui est fou. Non, je t'ai ghosté d'un point de vue. Le reste, pas de souci. Mais celui-là, non. Non, mais t'es revenu à la charge. C'est ça. Non, mais parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de t'inviter. J'invite toujours en fait les personnes dont j'aime beaucoup ce qu'ils font en termes de création de contenu. Et parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire sur son parcours musical. Et t'inquiète pas, tout va très bien se passer, il n'y a pas de souci. Il y a toujours quelque chose à dire. En fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui étaient comme toi. Et ça finit toujours par la même chose, c'est « Oh merde, on n'a pas tout dit ». Donc, je sais pas, on va voir. Peut-être que moi, ce sera vraiment la personne où l'émission va durer une heure et tout le monde va être déçu. C'est pas grave. Après, mais non, mais ça sera. On aura fait une belle émission. On aura parlé de ce que tu aimes et ça suffira. Mais ça sera très bien quand même. Il y a pas de souci. C'est ça. Marie, est-ce que tu te présenterais pas pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bien sûr. Bonsoir. Je m'appelle Marie Boiseau. Je suis illustratrice dans la vie, illustratrice indépendante, et je stream sur Twitch de temps en temps, où je stream du dessin, où je partage un peu mon métier, où je fais beaucoup de GeoGuessr parce que j'adore ça. Oui, voilà, de la bonne rigolade, des moments agréables, voilà. C'est ce que je disais quand il y a quelques semaines. Je sais plus, on m'avait demandé, il y avait une discussion avec plusieurs, et je dis que, à mes yeux, je te le dis très sincèrement, tu es probablement ma streameuse préférée. Voilà. Par rapport à ce que tu fais sur Twitch, j'aime beaucoup ce que tu fais. Oh le mec. Ça c'est pour la mettre en confiance. C'est pour vraiment qu'elle soit pas gênée du tout, ça déjà. Je vais rougir. Mais par contre, déjà, si je peux me permettre, j'ai rêvé de toi cette nuit. Et je pense que parce que... Ouais, c'est fou, hein. Okay. C'est la première fois. Et parce que mon cerveau, il a pris l'information, ok, tu fais l'émission ce soir, et du coup c'était une histoire apocalyptique, enfin voilà quoi. Je peux te dire qu'on vient loin, on a vécu les choses. Ah ok, mais, ok, bah très bien, tu verras, ça se passera bien ce soir. et non mais je regarde pratiquement tous tes streams tous les matins. Ah c'est gentil. Mais oui, tu étais là ce matin, effectivement, tu étais là, c'est très gentil. Mais parce que c'est des bons streams et tout, en fait, en gros, tu vois, je me lève...
8h, 9h, je commence ma journée. C'est parfait pour se réveiller, pour avoir une petite ambiance un peu musicale et parler. Et du coup, c'est parfait, quoi. Il y a Mélodo qui dit « Tu as le droit de dire cauchemar, hein, Marie, il n'y a pas de souci. » J'irai pas jusque-là. Effectivement. Bienvenue à toutes et à tous, chers amis du chat aussi. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, encore une fois, pour cette émission Véridisco. Véridisco, c'est quoi le concept pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien, on va partir dans une discussion avec Marie, comme vous l'avez compris, sur les morceaux qui ont marqué sa vie de son tout premier souvenir jusqu'à aujourd'hui. C'est une discussion libre. Parfois, peut-être, on va faire des bons en avant, on va revenir dans le temps, voilà, etc., etc. Et tous les morceaux dont Marie va nous parler se retrouveront dans une playlist Spotify que vous pouvez retrouver dès à présent dans le chat en faisant la commande Véridisco comme l'a fait Tara. Et ça créera tout simplement la bande originale de la vie de Marie aujourd'hui, voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, c'est quelque chose. Donc, bienvenue à toutes et à tous, évidemment. On va commencer sans plus tarder cette émission, Marie, si tu le veux bien. Bien sûr. Avec une première question, qui est la même question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir musical, Marie? Aussi loin que tu puisses remonter dans ta mémoire, c'est quoi la première chose dont tu te souviens musicalement? Eh bien, je savais que tu allais me poser cette question. Et du coup, au début, j'avais un gros vide dans mon cerveau en mode « mais je ne sais pas ». Et en fait, en y réfléchissant, c'est un souvenir qui remonte quand j'étais vraiment très petite, genre 3-4 ans. C'est une chanson qui vient d'un film qui ça s'appelle... Enfin, le film s'appelle « Tom et Jerry, le film ». Ah, d'accord. Alors, malheureusement, elle n'est pas sur Spotify. Ah, j'ai bien regardé. Okay. Elle s'appelle « Tu me manques tant ». Et du coup, en gros, bon, c'est Tom et Jerry, le film, c'est une histoire où il y a Tom et Jerry, et en fait, ils se font virer de leur maison, et ils rencontrent une petite fille, et cette petite fille, en fait, son père est un peu parti, c'est un expéditeur, je sais pas trop, un aventurier, okay. Et en fait, il est parti, nanana, et du coup, elle se retrouve à habiter chez sa tante, qui est très méchante, et du coup, bref, et en fait, cette petite fille, du coup, à un moment, elle fait une chanson sur, voilà, elle s'adresse à son père, et elle dit qu'il lui manque, et cette chanson... C'est quand j'étais petite, je l'adorais. Et en fait, si je m'en souviens déjà beaucoup, genre je la réécoute et tu vois, j'ai les feels, quoi. Et surtout que j'ai une vidéo de moi et ma sœur, on est en train d'écouter cette chanson et on tourne comme ça, genre on tourne sur nous-mêmes et ça fait tu me manques tant et on tourne. Et voilà. La transe, en fait. C'est complètement ça. Attends, c'est quoi? C'est tu me manques tant, c'est ça? Tu me manques tant ou tu me... Ouais, je crois. Tu me manques tant ou tu me manques beaucoup. Tu crois que si je... Attends, tu me manques tant? Tu me manques beaucoup, Tom et Jerry. Je l'ai. Ouais, je l'ai. Voilà. Attends, je vais la mettre en fond. Si tu veux, je peux la chanter en entière. Alors... Non. Ça reste ton émission, Marie, mais on va pas décoder. Déjà, mais je connais pas... Ah, c'est un dessin animé, d'accord. C'est un dessin animé. Tu me manques tellement, ouais. Plus encore qu'il y a d'étoiles dans le ciel, plus encore, c'est ça? Ah là 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 là. C'est ça. J'en dis pas plus. Je vois le dessin Midaddy. Ah d'accord, ok. Je vais le partager dans le chat parce que du coup on va pas pouvoir le mettre dans la playlist, mais je vais le partager dans le chat pour ceux qui aimeraient pouvoir l'écouter. Ah c'est quelque chose comme on dit. C'est quelque chose. Mais l'angoisse. Pourquoi l'angoisse? C'est une belle chanson. C'est une belle chanson. Sur l'abandon, voilà. Paternel. Voilà. C'est un peu ça. Je vous rassure, elle retrouve son père à la fin quand même. Oh, merci. Merci de nous spoiler, Marie. Parce que j'allais le regarder ce week-end, mais là, bon. Tu viens d'éviter de le regarder. J'ai gâché tout le plaisir, je pense. Oh là là. Mais sinon, par contre. Ton tout premier souvenir musical, un peu comme je pense pas mal de gens, c'est un dessin animé en fait. C'est ça. Et j'avais noté aussi du coup le Roi Lion, évidemment. Ah. Mais je crois que Maudie en a aussi parlé la dernière fois. Mais tu as le droit d'en parler. Parce que le Roi Lion, c'est genre le film que j'ai poncé quand j'étais petite. Dixit ma mère, et que vraiment on le regardait mais sans cesse. Et je pense que ça devait saouler ma mère. Et du coup, comment dire, la BO est juste formidable, voilà, du Roi Lion. Évidemment. Et du coup, et ça vraiment, genre, je le réécoute et pareil, je suis trop de sentiments, trop de voilà quoi. T'as une chanson préférée de la bande originale du Roi Lion? Et ben oui, j'aime beaucoup justement This Land. Voilà, This Land. This Land. Ouais. J'essaie de trouver Lion King. Celle qui fait. C'est pas une pub pour du fromage, ça, Marie? C'est...
Ah putain, oui, j'ai confondu avec Madame Loïc. Ah oui, c'est le fromage Madame Loïc, ça, Mario. Ça, je reconnais la musique. Le goût frais du fromage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, tu régneras sur ces terres jusque-là. Est-ce que t'es... parce que du coup, tu parlais de ta maman... Qui visiblement t'a dit que tu ponçais le Roi Lion quand tu étais petite. Ta mère, elle t'a un peu transmis, enfin même tes parents. Si tes parents étaient ensemble, hein, je ne sais pas du coup. Est-ce qu'ils ils vous ont transmis des choses un peu niveau musique? Ça a écouté quoi un peu? Non, pas tellement. Je pense que mes parents, ils avaient des goûts très classiques. Mon père est fan de Johnny Hallyday, par exemple, mais ça ne m'a pas tellement influencé. Ma mère était très fan de Dave, mais je ne pourrais pas te citer une chanson parce c'est que vrai pareil... Ouais. Incroyable. et du coup, non, il n'y avait pas une grosse ambiance musicale à la maison. Tu vois, par exemple, je te dis, ma mère est fan de Dave, mais pourtant, pour autant, je ne l'ai jamais entendu écouter Dave à la maison, tu vois. Donc, c'était vraiment des goûts très classiques et très variété française. Rien de foufou, et c'est pour ça que je peux citer vraiment aucune référence, tu vois, genre ah putain, ça c'est mon père qui m'a fait écouter. Non, ouais, rien. Ils écoutaient plutôt les choses qui passaient à la radio, à la télévision, ils se laissaient un peu porter parce qu'on leur apportait de variété française. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Par exemple, un truc plutôt mignon, je me souviens que ma mère, en fait, elle avait des morceaux comme ça, elle avait des coups de cœur, notamment Marc Lavoine et. Je sais plus comment elle s'appelle, mais celui qui fait... merde, comment c'est ? Le beau temps de l'amour, je ne sais pas. Ah oui, c'était... J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Ouais. La chanteuse, je sais plus comment c'est elle s'appelle. C'est pas avec Claire Kem, celle-là ? Non, je crois pas. Ah, c'était pas avec Claire Kem. Parce qu'il y avait Bambou, mais je crois pas que ce soit Bambou. Christina Branco. Oh là 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 là, c'est très précis. Bravo Tara dans le chat. Christina Branco. Ouais. Et ça, typiquement, tu vois, comme ça, elle avait des coups de cœur. Et du coup, je pense que c'était pour son anniversaire ou la fête des mères ou je sais plus. Je pense que j'avais genre 8-9 ans. Et du coup, je lui avais enregistré. Je sais même pas comment j'avais fait ça à l'époque. Je sais plus comment on fait. Mais genre, j'avais enregistré une cassette, tu vois, avec toutes les petites chansons que je sais qu'elle aimait bien, dont celle-là. Et je lui avais offert ça. Je pense qu'elle était ravie. Parce que c'est pas comme si elle pouvait l'écouter à la radio ou acheter des CD. Mais je lui avais fait un mix, en fait, finalement. On me dit dans le chat que c'est pas Christina Branco, mais plutôt Christina Marocco. Et du coup, quand je vois Christina Marocco, je me dis, en vrai, je pense que c'est plus Christina Marocco. Du coup, ça me dit plus quelque chose. Attends, vous êtes sérieux? Ah, je crois, en fait. C'est une blague, non? C'est une catastrophe, déjà. On commence cette émission, on se plante sur les... Ah, si, c'est ça. Je pense que c'est... Parce que du coup, Marocco me dit plus quelque chose que Branco. C'est ça. J'ai tout oublié, Marc Lavoine et Christina Marocco. Oh là 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 là. Pardon Christina, je suis désolée. Ah c'est pour ça que quand j'ai trappé... J'ai cru que c'était un prank. Les duos. C'est un petit jeu de mots. Oh là là, j'ai tout oublié Marc Lavoine. Ouais, c'est vraiment les tubes qui passaient à la radio quoi. C'est vraiment... Ouais, complètement. Ouais non, il y avait vraiment pas de culture musicale autre que les choses populaires. Ouais, tes parents faisaient pas d'un, il y avait pas d'instrument à la maison, il y avait pas de pratique musicale que dalle. Non. Même dans non, ta famille plus large, etc. Ouais, non. Je sais que bah il y a ce petit truc. Mon grand-père, énorme fan de musique bretonne. Et puis aussi, bon, on a cette culture quand même dans la famille de la Bretagne et musique bretonne. Par exemple, ma mère a fait de la danse bretonne pendant des années, moi aussi. Donc il y a quand même cette petite culture. Ah ouais, c'est le seul truc. Ouais, c'est le seul truc qui est un peu différent de du coup ce qui passait à la radio, la musique bretonne. Mais à part ça, ouais. Ouais, puis c'est très de niche en plus. Enfin, la musique bretonne, oui. Ça passe jamais à la radio. Non, pas du tout. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment un truc familial. Mais c'est trop cool ça. C'est hyper bien. Ça t'arrive encore d'aller voir un peu des concerts de Bagad, tout ça ou, Bagad, non, mais par contre, si j'ai l'occasion de faire un petit fest-noz, ça me ravit. Allez, là, ouais. Le petit fest-noz, ouais, ça ouais. Fait bien plaisir. Et du coup, quand t'étais petite, s'il n'y avait pas de culture musicale, je suppose qu'il n'y avait pas trop la culture du concert, peut-être ? Ou alors, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Vous, a,
Vous alliez non, pas avoir pareil, des concerts avec tes parents ou des trucs comme pas ça. Pas une seule fois, je pense. Mmh. Vraiment pas du tout. Et en fait, même quand j'étais plus grande, même de toute façon, j'ai fait très très peu de concerts dans ma vie. Mais aussi parce que quand j'étais jeune et quand j'ai du coup commencé à moi développer mes goûts personnels en musique, j'étais très frustrée du fait de pas pouvoir faire des concerts pour deux raisons. La première, c'est que du coup, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc voilà. Et la deuxième, c'est que j'habitais donc à Guérande, c'est une petite ville, et que les concerts étaient à Nantes, et que du coup, jamais de la vie, mes parents, ils allaient à Nantes, tu vois, genre c'était pas du tout. Et du coup, je sais que quand j'étais plus ado, c'était un truc qui me frustrait énormément parce que j'aurais trop aimé faire des concerts, mais c'était pas du tout possible, quoi. Ouais, surtout donc, à Nantes, il y avait pas mal de choses qui passaient, et du coup, effectivement, ça devait être un peu... Mais tu vois, pourtant, Guérande-Nantes, voilà, c'est pas très loin, mais en fait, à l'époque, c'était vraiment comme si aller au bout du monde, parce que forcément, bah, fallait que ce soit tes parents qui t'amènent et tout, et eux, ils étaient pas du tout... c'était pas possible. Ouais. Mais même acheter un billet, tu vois, de concert et tout, c'était inimaginable. Ouais, ça, quand c'est pas dans ta culture, c'est compliqué. En plus, derrière, il y a aussi tout un truc de... Pour les parents qui ont pas l'habitude non plus, il y a quand même... tout un aspect financier supplémentaire de se déplacer, de logistique. Ouais, c'est ça. Que t'as pas forcément envie de faire, en fait. Faut s'investir. Et puis, du coup, c'est quand même un gros investissement. Mine de rien, quoi. Il y a Peter Lane dans le chat qui dit « Il y a Fatal Bazooka bientôt au warehouse si tu veux rattraper le temps perdu, Marie. » Bah, je prends mes billets. Si vous avez 5 minutes, je prends mes billets. Attendez deux secondes. On va aller voir le F, évidemment. bien sûr. On y sera. Et comme t'as pas eu cette culture de découvrir de la musique, tu te souviens à quel moment t'as un peu, je sais pas, découvert des musiques par toi-même, le premier truc que t'as un peu découvert par toi-même, tu vois, au-delà du premier souvenir, le truc où tu t'es dit ça j'aime bien, tu vois. Bah en fait quand j'étais petite, le souci c'est que, enfin je sais pas si c'est un souci, mais c'est juste que j'étais hyper influencée par, je sais pas comment dire. Bah, en fait, c'est bête, mais du coup, on y revient. Mais la Star Academy, pour le coup, ça a été un gros truc où moi, j'ai commencé à aimer des trucs de moi-même et où, en fait, c'est trop bête. Mais quand j'étais petite, je sais plus si j'en avais parlé, ça, mais en gros, j'étais obsédée par la Star Academy et je voulais y participer. Et c'est là que j'ai commencé à me mettre dans la tête que je voulais être chanteuse. Alors que pas du tout, vraiment pas. Mais du coup, il y avait tout un truc où, en mode... mais en fait je me souviens, mais même là quand il y a eu le retour de la Star Academy annoncé, je voulais retrouver ce truc, mais c'est chez ma mère. En gros, dans mon journal intime, j'avais écrit que genre j'étais blessée qu'il n'y ait pas de Star Academy pour les enfants, tu vois, je rêvais de ça. Heureusement que c'était pas le cas, parce que horrible. Et mais non, j'avais vraiment ce truc, la Star Academy, mine de rien, ça m'a beaucoup influencée. Et surtout que, et ça je l'ai remarqué plus tard, mais tu vois, les albums de la Star Academy, là j'avais noté l'album, la Star Academy 2, Star Academy 2, où tu vois, il y a plein de chansons françaises, du coup, d'autres. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Oui. Bah, ils avaient fait l'album Chante Michel Berger. Oui. Et ouais. Mais. Pardon, vas-y. Toi, c'est le Fessaboum, je suppose que tu kiffais, toi. Non, c'était juste Star Academy. Oui, c'est ça, Fessaboum, exactement. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, c'était plein. Et en fait, mine de rien, cet album-là, c'est trop. Ça paraît trop bête à dire, mais mine de rien, c'est plein de chansons que maintenant j'aime premier degré, tu vois, genre Video Kill de Radio Stars, je l'adore. Pas forcément la version de la Star Academy, mais voilà. Et j'ai même découvert des trucs, genre Le Paradis Blanc, tout ça, c'est vraiment des trucs. Et il y en avait une autre que, du coup, j'adorais. C'était laquelle? C'était pas dans cet album, je sais plus. Mais bref, voilà, c'était vraiment, mine de rien, ça a un peu influencé mon amour pour la musique française plus tard, tu vois. Ah, mais c'était une... je trouve que c'était une super façon de découvrir de la musique, en fait, la Star Academy. Mais j'ai déjà dit, par exemple, c'est marrant que tu parles de Video Kill de Radio Star, parce que moi, c'est une de mes chansons aujourd'hui préférées, vraiment all time, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais découvert par la version de la Star Academy. C'est ça. Mais c'est ça, en fait. Mais en fait, quand tu développes après un peu plus ta culture musicale, je sais pas, au début, j'avais un peu honte de le dire. Et finalement, je me dis, mais non, en fait, c'est une façon comme une autre de découvrir ce morceau, tu vois. C'est pas très grave. Et en vrai... Non, mais ce que je me disais, c'est qu'en vrai... c'était assez ambitieux même de leur part de reprendre Video Kill de Radio Star. Et qu'en fait, même quand je leur écoute maintenant, je suis très honnête, c'est pas si dégueulasse que ça, en fait. La reprise, elle est pas dégueulasse. Ah ouais, non.
Bah, justement, Gaël, quand t'es dans le désert, pareil, il y avait aussi Call Me de Blondie. Enfin, c'est fou. Oui, quoi. C'est vrai. Et en fait, justement, pour quelqu'un comme moi, ben, qui a des parents qui ne sont pas, qui n'ont pas une culture incroyable et qui, ben, tu vois, bah, en fait, c'était un moyen aussi pour moi de rentrer là-dedans, quoi. Et du coup, bah, c'est quand même assez important. Et du coup, non, c'est ça, quand j'étais petite, j'étais grave influencée par bah, la Star Academy, Laurie, incroyable, Alizée aussi. Ouais. Et même si c'est des trucs, voilà, c'était des musiques, enfin, qui sont, je sais pas, qui ont des clichés un peu attachés. Ouais, ouais. Mais en fait, ben, Alizée, bon, Laurie un peu moins, mais Alizée, maintenant, à l'heure actuelle, je l'adore premier degré, quoi. Ah, mais... Je trouve que c'est incroyable. Ah, mais Alizée, c'était une artiste exceptionnelle, vraiment. Ouais, ouais. Vraiment, elle a. Même son premier album. Incroyable, Gourmandise. Gourmandise, qui est fou, en fait, vraiment. C'est un putain d'album. Ouais. Il est fou, cet album. Ouais. Quoi. Après, elle avait Mylène Farmer et du coup, Boutonna derrière elle, mais c'est sûr que, genre, incroyable, quoi. Y a Tara qui demande, est-ce que t'as un morceau de la Starac que tu veux mettre dans la playlist, peut-être, de l'album 2 Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux Alors, faire des choix, c'est compliqué. En vrai. Paris Latino, parce que vraiment Paris Latino, okay. c'était fou, quoi. Évidemment. Et de l'album Gourmandise, peut-être, de Alizée, tu veux peut-être mettre... Et Gourmandise, et ben alors, ben, justement, Gourmandise, qui est une okay. trop belle chanson. On peut mettre Gourmandise de Alizée aussi dans la playlist. C'est avec J'en ai marre, mais enfin bon, il faut faire des choix dans la vie, donc... Ah bah non, mais t'inquiète, effectivement. Mais au moins, c'est pour donner envie d'aller découvrir un peu plus, effectivement, Alizée, qui était très présente. Donc, en fait, donc, par contre, tu regardais la Starac, toi. Ah ouais. Enfin, vous regardiez la Starac, du coup, forcément. C'était pas juste. C'est vrai que la Star Academy, je le redis pour les gens, mais ils se rendent pas compte à quel point c'était pas que l'émission. C'est-à-dire que même les gens qui regardaient pas forcément l'émission, vraiment la Star Academy, t'en entendais parler. Vraiment, c'était énorme. C'était à la radio tout le temps, c'était partout. Tu pouvais pas passer à côté de ça. Bah oui, parce qu'en plus, mine de rien, c'est vraiment plus les musiques et les albums dont je me souviens que vraiment le fait de regarder l'émission. Je pense que je la regardais parce que je pouvais pas être autant obsédée par ça, sans regarder, je pense, ça m'aurait pas captivé autant. Je pense que je la regardais, mais peut-être pas tout le temps, tu vois, pas tous les primes, pas... et je pense pas que je regardais les quotidiennes. Mais du coup, oui, non, c'était vraiment plus cet aspect musique, école de la musique, qui fascinait, en fait. C'est parce trop bien. Que je sais même pas, je sais pas pourquoi ça m'avait fait rêver comme ça, et ça m'avait donné envie de faire pareil. Mais il y avait vraiment un côté, ouais, je veux faire pareil, quoi. Mais je pense que ça a donné l'envie à beaucoup de gens, mine de rien, de se lancer dans la musique. En vrai, il faudrait que je pose plus la question, même à des musiciens et des musiciennes. Alors, il y a certains, c'est peut-être plus l'émission Nouvelle Star. Il y a des gens, c'est peut-être plus Nouvelle Star qui avait un côté moins télé-réalité et plus professionnel. Ouais. Mais je sais que beaucoup de gens, enfin, quand je vois aujourd'hui le succès qu'a les castings de la nouvelle saison de Star Academy, je pense que c'est pas anodin. Il y a vraiment un truc de... Au-delà du souvenir qu'on en a, effectivement, qu'on écorne un petit peu plus tous les vendredis soirs sur cette chaîne, en disant, vous voyez, la nostalgie, c'est bien, mais quand on se replonge réellement dedans, bon, restons dans la nostalgie, tu vois. C'est ça. mais en vrai, je pense que c'est pas rare de garder cet aspect nostalgique, parce que je pense que ça a vraiment donné envie à des gens de... Mais comme tu dis, en fait, ça fait rêver, quoi. L'aspect, putain, c'est une école avec des professionnels du milieu, et en 4 mois on te fait devenir une star, enfin je veux dire pour l'époque Oui, si on peut garder cet aspect de la Starac qui serait un peu positif, c'est ça quoi, c'est que effectivement ça faisait rêver, et en plus ça a probablement débloqué des passions, des envies, de qui peut-être ont donné quelque chose, dans mon cas non, mais peut-être que dans certains cas... Non, parce que on le voit même au-delà de l'aspect rigolo des primes et télé-réalité de tout ça. Il y a quand même, quand on prend un peu de recul, c'est ouf parce qu'il y a des cours de chant, mais il y a des cours de danse, de théâtre. Ouais. Et n'importe qui peut se dire, waouh, c'est en fait, c'est un truc pro, c'est un vrai métier. Je pourrais travailler, faire des pièces de théâtre, je pourrais faire de la danse, je pourrais... Ouais, non, voilà. C'est clair. C'était plus large que juste chanter, quoi. D'ailleurs, donc t'as fait de la danse un petit peu, de la danse bretonne. Danse bretonne, oui. En quoi consiste la danse bretonne, Marie? Eh ben, la danse bretonne, c'est tout simple. Bah, en fait, voilà quoi, c'est que il y a dans la danse, voilà, la danse bretonne, pareil, c'est quelque chose d'assez large. Et du coup, donc il y a plein de danses diverses et variées. Bon, après, moi, j'en ai fait, j'étais assez petite au début. J'avais peut-être genre 6 ans. Donc, quand t'as 6 ans, clairement, tu fais des trucs bêtes. J'avais publié des vidéos sur Twitter et juste on marchait main dans la main.
Et après, je me souviens d'un truc où il fallait taper sous ses jambes. Enfin, c'était rien de fou, quoi. Mais après, plus tard, ça vient où tu fais, tu vois, l'andro, l'enterdro, trucs comme ça, des danses où t'es à deux. Enfin, en vrai, c'était trop stylé. C'était super cool. Et maintenant, elle fait de la pole dance bretonne. Bien sûr. Évidemment. Alors par contre, tout le monde pose la question, il faut pas oublier de s'échauffer les petits doigts. Évidemment, est-ce que vous teniez les petits doigts Ah bah oui, évidemment. Ah bah ça fait partie du truc. Bah oui. Un TikTok tout simplement. Dans le petit doigt. Non mais après moi, ma mère en a fait beaucoup plus longuement que moi. Genre quand elle était ado, elle en faisait encore et tout. Moi j'ai arrêté un peu avant l'adolescence, la préadolescence. Mais par contre, vraiment, quand tu deviens ado et que tu fais des trucs un peu plus foufou, c'est vraiment cool, quoi. Bon, c'est de la danse traditionnelle, c'est pas... Ah oui, c'est cool, ça fait partie de... Mais c'est... Bon, de toute façon, j'adore la danse, et du coup, forcément, tout... Enfin, c'était vraiment... Ça fait partie de ta famille, en même temps. C'est cool, c'est chouette, Est-ce que... Parce que tu parlais de la Star Academy, comme quoi t'avais ce truc de vouloir chanter. Alors, visiblement, il n'y avait pas la pratique d'instruments dans ta famille. Mais est-ce que toi, t'as fini par t'y mettre ou même de prendre des cours de chant, du coup, ça t'a donné envie un petit peu ou À cette époque-là, non, du coup. Parce que pareil, du coup, on ne pouvait pas faire 1000 activités extrascolaires, donc c'était danse bretonne et tout ça. Et après, quand j'étais ado, on y reviendra, mais du coup, j'ai vaguement eu l'ambition d'apprendre la guitare électrique même. Et ça gratte, là. Ah, la gratte! Ouais, le rock and roll. Et non, ça n'a rien donné. J'avais acheté une guitare dans un cache-converteur, mais je prenais pas de cours. Donc, puis en plus, j'étais toute petite main. Et du coup, je me suis vite rendu compte que c'était super relou. Et bon, j'ai un peu abandonné. Et après, plus tard, quand j'étais plus adulte, je me suis acheté un petit ukulélé et je me suis donné pour objectif d'apprendre à en faire parce que c'est très simple. Donc voilà, j'ai un petit ukulélé, j'en fais plus trop dernièrement, mais il y a eu une époque où quand j'habitais tout seul, je faisais beaucoup d'ukulélé et je chantais et tout, et ça me fait plaisir. Et cours de chant, parce que je chante tranquillement, mais pas dingue, genre c'est pas horrible, mais je pense que c'est assez faux, genre tu vois c'est un peu bif-bof quoi, mais ça me fait plaisir. Et j'avais tenté de prendre des cours de chant à un moment, mais en fait je suis très flemmarde. Et donc, très rapidement, j'ai lâché l'affaire. En fait, je trouve ça chiant de me déplacer. Je suis vraiment un monstre de flemmardise. L'honnêteté. Prendre deux bus. Il fallait prendre deux bus pour aller chez la prof. Et du je comprends, ça va... trop difficile. C'est d'ailleurs pour ça, il faut le dire, on habite dans la même ville, mais c'est pour ça qu'on n'a pas fait l'émission ensemble dans la même pièce. Marie m'a dit la flemme de me déplacer. C'est bon. La flemme, chacun chez soi, on est bien. Non mais ouais, puis je pense que c'était aussi que je me suis aussi rendu compte que finalement je voulais pas m'investir autant pour juste chanter un peu mieux parce que c'est énormément de travail de savoir, enfin tu vois, de chanter. Et alors qu'au finalement tu vois je chante pas non plus tous les 4 matins et il y a pas une volonté de, enfin au final c'est un hobby pour le pousser. Ceci c'était un gros hobby, tu te dirais j'ai envie de me démerder quand même un petit peu, je vais prendre des cours plus. Là c'est juste un petit hobby du genre j'aime bien chantonner de temps en temps, juste me faire plaisir. C'est ça, ça me faisait plaisir. Et à l'époque du coup je me suis dit ce serait cool de chanter un peu mieux. Puis après je me suis dit c'est quand même énormément de taf et il faut prendre deux bus. Bon, je vais rester à faire des petites reprises au ukulélé et puis trop grosse flemme. Je comprends. J'ai lâché l'idée de faire des claquettes parce que j'ai 10 minutes à pied à faire pour y aller. Bah tu vois, Lolina. Ah oui, là c'est un niveau. Il y a un niveau de flemme. Là vraiment, tu vois, c'est. Je suis pas à ce niveau-là, je vous rassure. C'est vraiment deux bus. Ouais, mais avec le changement en plus, avec la tanne et tout. Ouais. La flemme. Comment tu. Parce que tu parlais quand même, donc Star Academy, Laurie, mais surtout Alizée. Là, je suppose qu'on est plutôt dans une période... Tu as quel âge, Marie, pour resituer un peu? Je vais avoir 30 ans cette année. Ok, on est donc vraiment même... Nous, on est vraiment même génération, 92. Du coup, 92, en primaire, tu découvres un peu de musique avec tes potes, ou alors vraiment la Star Academy, tout ça, c'est pendant... De toute façon, c'est la période primaire, à peu près. Primaire. C'était ça, C'est plutôt... primaire, c'était vraiment ça, Starac, très Laurie, Alizée, très... tu vois, Yannick. J'étais fan de Yannick. Ah, ces soirées-là. Ce genre de truc. Attendez, je voulais parler d'un truc aussi. À cette époque, ce que j'adorais,
Ah oui, putain, j'ai oublié ça. J'adorais les compiles, enfin les compiles en fait, les compilations de CD. Un truc qui se fait plus du tout. Tu vois, genre Energy Hit, 15 morts, enfin je sais même plus les titres que ça avait. En plus, on sait même pas d'où ça sortait. Parce qu'il y a des trucs, c'était Energy, mais d'autres trucs, c'était pas du tout. Enfin, c'était pas des radios qui faisaient ça, c'est juste qu'il y avait des CD avec des compiles quoi. Ça qui se fait moins, mais parce que je pense que déjà c'est compliqué à créer aujourd'hui avec les maisons de disques. Non, mais c'est ça, c'est plus et du avec tout. Avec Spotify, je pense que ça vaut plus le coup. Mais oui. Est-ce qu'il y a peut-être encore des Energy Music Only? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que j'en ai offert à ma sœur il y a 2 ans à Noël. Donc... c'est fou. J'ai vraiment acheté le CD Energy Music Only. Mais oui, c'est ça. Évidemment. Mais oui, il est compliqué. Mais c'est vrai que t'as raison. Pardon, vas-y. Non, je me disais, t'as raison de ouf. J'avais oublié le truc qui était les compiles, en fait, il y avait c'était très puissant, en fait, les compiles. Oui, parce que encore une fois, en fait, un peu comme la Starac, c'était une manière de découvrir des chansons que il y avait pas forcément à la radio. En tout cas, moi, c'était des trucs un peu plus larges, tu vois. Par exemple, je me souviens qu'il y avait une compile où j'avais découvert du coup Gigi D'Agostino, et c'était The Riddle, qui est une reprise du coup, et genre. J'adorais, mais vraiment. Et ça un peu. Et en fait, c'est drôle parce que un peu comme Alizé ou voilà, c'est des trucs qui ont vraiment qui influencent, enfin qui ont influencé mes goûts plus tard. Mais c'est logique en fait. Mais du coup, maintenant, je suis extrêmement fan de Gigi D'Agostino. Et du coup, à l'époque, vraiment, mais je l'écoutais en boucle cette chanson et j'adorais. Et elle était dans une compile. Alors que tu vois, genre, j'aurais jamais découvert ça à la radio, je pense. Enfin, je suis pas sûre. Et du coup, oui, il y avait un petit côté Eurodance que j'adorais à l'époque et du coup que j'adore très fortement. Maintenant. Donc, ouais, les compiles, c'était vraiment, vraiment cool. C'est que ces compiles-là, en fait, te faisaient écouter en journée ce qui, des fois, passait en pleine nuit. C'était ça, j'imagine, en fait, ouais. En fait, c'est que les compilations énergie, comme je mets le petit The Riddle de Gigi D'Agostino en fond. Et en fait, c'est typiquement le genre de morceau qui passait dans le DJ qui mixait de minuit à 2h. Mais oui, putain, mais c'est vrai qu'il y avait ça. Il y avait ça, et ça existe encore d'ailleurs. Ouais. Et en fait, du coup, dans les compilations. Ils mettaient littéralement les morceaux que les DJ passaient et qui avaient le plus de popularité et tout. Donc, Et alors que toi, quand t'as 9 ans, t'écoutes pas la radio à minuit quoi. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça, ouais. Ouais, moi aussi, il y a Peter Line dans le chat qui dit j'écoutais les compiles de techno incluses dans les magazines de tuning beauf que j'ai acheté au collège. et pour la petite anecdote, moi, mon père avait une grosse collection de CD à la maison. Et lui aussi achetait des compiles, mais vraiment, c'était des coffrets. C'est pas des coffrets, mais c'est les trucs en cristal en 4 qui se dépliaient de partout, là. Oui. C'était assez fou, là. Tu sais, ça, c'était incroyable. Mais oui. Et ben, c'est vrai que. Et ben, c'est vrai. Et là, tu me le rappelles, mon père aussi achetait des compiles. Et c'est comme ça que. Et je m'en souviens d'une particulièrement. Et ça, c'est horrible parce qu'en fait, tu peux pas retrouver la trace de ça sur Internet. C'est impossible. Mais du coup, je me souviens d'une. Il y avait des morceaux, mais pareil. J'y avais genre. Il y avait genre. Parce que comment il s'appelle Little Ball of Fire. Comment il s'appelle? J'adore. Comment Marie, elle fait souvent des imitations, mais attention, faut les choper, elles sont très courtes vraiment. Jerry Lewis. Alors, Red Balls of Fire. Tu vois pas? Quoi? Il a marié une fille de 13 ans. Jerry Lewis. Ouais. Non. Lewis. Oui. Jerry. Oui, mais Jerry Lewis. Red Balls of Fire. Oui. Ah oui, Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, oui, tout à fait, oui. Oui, ah oui, Jerry Lee Lewis, ouais. Great Balls of Fire, ouais. Tout ça pour dire que ça, c'est une chanson qui était sur une des compiles de mon père et que j'adorais, alors que j'aurais jamais connu. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, moi, mes parents, mon père, comme il était, j'ai déjà raconté cette anecdote plein de fois, mais mon père était de temps en temps DJ pour des soirées dans nos. Oh, let's go, bah oui. Et du coup, il a acheté quelques compiles quand même de dance, de funk et tout. Et des fois, je lui piquais et vraiment, j'ai vraiment découvert des trucs de dance, un peu comme Gigi D'Agostino, tu vois. C'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Où je me rendais compte. C'est pareil, en fait, parce que je pense que mon père faisait ça pour la même raison que le tien, c'est-à-dire que dans les... alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais moi, typiquement, dans les mariages, tu vois. Mm. Genre, dans les mariages, il passait sa petite zik et du coup, c'était ses petites compiles. Et ouais, pareil, c'était des trucs vraiment dance. Genre aussi la chanson, où je vais vous re-imiter, qui fait... Ti-la-la. Je l'ai pas, je suis désolé, je l'ai pas du tout. Non, arrête. Oh merde, je l'ai pas du tout, je suis désolé. Aïe aïe aïe. Mais je suis vraiment en train de me dire ça sur la prochaine soirée blind test. Genre, j'appelle juste Marie, elle fait 10 morceaux.
Elle fait juste un truc comme ça, fait 10 morceaux comme ça. Quand tu veux, j'adore les blind tests. Tara, dis-moi, je l'ai. Bah vas-y, Tara, donne le nom du morceau. Saturday Nights, tout simplement. C'est Saturday Nights ? Ouais. Par contre, ouais, Wakefield. Bravo ! De Wakefield ? Oh là là ! Attends, mais je connais pas, attendez. Alors attendez, je dis que je connais pas, mais ça peut faire partie des morceaux en mode. Ah ouais, en fait, je connais, tu vois. Wakefield, c'est iconique. Je le mets en fond. Ah oui, oui, je vois. Voilà. Ah mais oui, Wakefield, Saturday Night, la mauvaise. Bien sûr. Évidemment, on avait une choré incroyable. Ah, il y a une petite choré avec. Et la meuf avec le sèche-cheveux dans sa salle de bain. Putain, mais les gens qui regardent. Ah, c'est pas les Venga Boys, ça? Ah non, ça c'est le clip de... Ah ok, bah non, apparemment j'ai... c'est ça. Tu sais, tu regardes... Mais pareil, pardon. Non, je veux dire, t'avais la culture un peu du clip, justement, de regarder un peu des clips à la télévision Putain, je me souviens pas. Je pense pas trop. Enfin, c'est pas un souvenir qui m'a marqué. Parce que tu vois... Ouais, non. Pas non, trop. T'avais pas ce truc-là. Pas trop. Non. Et par contre, c'était... Ouais. Enfin, j'ai plusieurs souvenirs qui sont beaucoup plus liés à la danse. Parce que j'étais un peu zozo. Et tu vois, enfin, en gros, des morceaux qui m'ont marqué, c'est des morceaux où je me souviens de danser dessus comme une dingue chez Wham, tu vois. Par exemple, Venga Boys Boom Boom, typiquement énorme musique liée à un souvenir où je dansais toute seule. En gros, genre, j'avais une cheminée dans la maison, et tu sais, la cheminée, elle fait un peu un reflet, ça fait comme un miroir. Et mon kiff, c'était de danser devant la cheminée toute seule. L'ego. Et en écoutant les Venga Boys, vraiment genre. Ah, l'ego de la meuf, quoi, déjà. Oh, ouais, ah ouais, non, mais c'est ça. J'aime me regarder danser, regarder comme je danse. Mais je me kiffais, j'étais comme ça, putain, trop stylé. Et voilà. T'avais... Et du coup. Non, ouais. Parce que tu parlais de ta. Tout à l'heure, tu parlais. Donc, t'as une sœur, c'est ça? Ouais. C'est petite sœur ou grande sœur? C'est ma grande sœur. Et vous partagez des trucs un peu au niveau de la musique, un peu? Que dalle? Non. Non, pas du tout. Enfin, plus tard. Mais non, là, à l'époque, pas trop. Non, et du coup, ouais, et pareil, tu vois, j'ai le générique de Sakura. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ça, genre, c'est. Putain. Est-ce que je l'ai mise? No Nagging Froggy Mix. Alors, comment t'écris? Nona. No, comme non. Ouais. Et Nagging comme. Comme Nagi, non, comme N-A-G. Je l'ai, de Froggy Mix, Zen Radio Mix, c'est bon, je l'ai. Pas de Nagi, s'il vous plaît. Tu me rappelles des souvenirs avec ce morceau. C'est vrai ? La vache ! Ah ouais ? Oh merde ! Bah pareil, dans une compilation de mon père. Oh la vache ! Et ça, je me souviens de... Mais vraiment, j'avais des... Je sais pas. En gros, je me souviens me mettre dans le noir dans ma chambre... Et de sortir, parce qu'à l'époque, c'était très populaire, les petits jouets un peu phosphorescents, tu vois. Mmh. Et je sortais tous mes petits jouets phosphorescents, et je dansais comme ça. Et je pense que, sincèrement, je pensais être en boîte de nuit, quoi. Et vraiment, genre, tada. Et après, ma mère, elle rentrait des courses et on mangeait des Kix. Vous vous souvenez des céréales, les Kix? Et voilà. Et genre, je sais pas, tout, c'est un souvenir ensemble lié à cette chanson. La trans Marie Boiseau qui était vraiment en dance party. T'imagines? T'es daron et tu rentres chez toi et t'as ta fille de 8 ans qui est dans le noir comme ça. avec les jouets, tu sais qu'ils forment un... Avec les oui. Qui forment un cercle autour de toi, un truc un peu satanique quand même, et c'était au milieu comme ça. Genre... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait peur. En train de se regarder dans le miroir quand même. Rien à voir. Je crois que ça va pas du tout là, on va lui enlever les compilations de dance. Quoi. Plus de musique, c'est fini. Pour toi, c'est fini. No nagging, non. Ah ouais, les étoiles phosphorescentes. Non mais les étoiles phosphorescentes. Quelle folie. Ouais. Mais tout ça pour dire que ouais, c'était très musique danse, tu vois, c'était un peu lié. Ah bah là, t'as un début de playlist de vie, c'est de la dance là, vraiment. Ah mais maintenant j'adore. Une teufeuse, Marie, au début de sa vie, évidemment. Elle était contre les enceintes dans les plus grosses rêves. Ce qui est drôle, c'est que à côté de ça, je faisais un petit peu de danse bretonne, tu vois. Ah oui. Il y a un contraste qui est dingue. Ah oui, on passait pas le Venga Boys au Fest Nose ou à côté. Non, malheureusement, mais une idée, parce que ça. Ah, j'adore. Ouais. J'en profite avant de continuer. Bien sûr, je remercie Pojobis et puis Flo Johnson pour leurs abonnements. Merci beaucoup pour votre soutien à tous les deux. J'en profite au moins pour faire un petit big Merci up, évidemment.
Donc du coup, c'est plutôt au collège que tu commences peut-être à t'émanciper ou faire des découvertes musicales par toi-même ? Eh ben, pas encore. C'est vrai ? En gros, non. En fait, début collège, donc déjà, il s'est passé un truc, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans et ça a été un gros, sujet dans ma vie. Mmh. Enfin, tranquille, mais c'était quand même un gros truc. Et du coup, à cette époque, j'étais vachement dans un truc de... je sais pas comment dire, être un peu perturbée. Et je suivais beaucoup ma sœur, qui du coup qui a 2 ans de plus que moi, mais qui elle est plus indépendante, plus mature que moi, et voilà. Enfin, plus mature en tout cas à l'époque, voilà, elle avait ce côté un peu, je sais pas comment dire, un peu plus adulte. Mmh. Et elle, elle était dans des goûts musicaux qui étaient hyper classiques, écoute, enfin, énergie et beaucoup de rap français. Et du coup justement là j'ai noté un morceau qui m'a marqué. Du coup c'était Sniper gravé dans la roche, tu vois, c'était ce genre de truc. Yes. Que elle vraiment, et en fait moi à cette époque j'étais, parce que j'avais pas fait de découverte vraiment par moi-même, et du coup j'étais un peu genre suiveuse, tu vois, donc ma sœur écoutait ça, donc j'écoutais ça, et ma sœur c'était un peu à cette époque très précise quand j'avais 11 ans mon modèle, tu vois. Et du coup, je voulais faire tout comme elle. Parce qu'en plus, moi, j'ai toujours été un peu nulle à me faire des amis et tout. Donc, 6e, 5e, j'avais pas trop d'amis. Et du coup, j'étais vraiment genre, je fais tout comme ma sœur. Genre, je m'habillais en mode... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez des vestes Hermès rouges avec la poche là. Ouais, évidemment, évidemment. Que t'enfilais par le dessus, là. Ouais, exactement. Et ma sœur en avait une vraie. Et moi, je voulais trop la même. Mais du coup, mes parents pouvaient pas se permettre d'en payer deux, tu vois. Mmh. Donc... J'avais trouvé, je n'ai plus où, genre dans un magasin nul, pourri, genre, je sais pas, vête à faire, une veste, mais qui n'avait aucun rapport, c'était vraiment juste une veste de jogging avec un zip, tu vois, il n'y avait rien qui ressemblait, mais pour moi ça ressemblait, et je me souviendrai toute ma vie que j'étais arrivée au collège en mode putain, mais tout le monde va me trouver tellement stylée avec ma veste presque Hermès d'ailleurs, et non, je pense que tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et du coup, bref, tout ça, ça pour dire que ouais, je suivais beaucoup les goûts de ma sœur, genre de mes, je sais pas, 10 à 12 ans, je pense. 13. Il y en a Ochan qui dit l'auto pour ma part avec ma doudoune Sergio Tacchini. Ah là, c'est le goût, là oui, le goût. Vrai. Moi aussi, j'avais un truc blanc comme ça, Hermès, ouais, qui s'enfilait ouais, par le dessus. Et j'ai eu le loto un peu plus tard. Le goût, bien sûr. Avec, avec la banane Lacoste, évidemment. La petite touch. Bah ouais. Ah, j'étais un blédard. Ouais. J'étais un blédard. Quel enfer. Ouais, vraiment, ça valait pas du tout. À l'époque. Ça valait pas du tout. C'était l'uniforme. Tu pouvais pas sortir de... Enfin, si tu sortais de ce moule... Ouais, c'est vrai. Hein. C'était une vraie mode avec la poche en avant et tout. Ah ouais. Ah, ouais. Les Bomber Shots, j'ai des souvenirs. Les requins aussi. Oh là là. Oh là là, oh là là, quel enfer. Donc du coup, tu suis ta sœur un peu de tes 10 à 12 ans, mais un peu plus tard, le collège ne termine pas tout à fait. Ouais. Moi, je sais que ça a été une période assez importante, le collège, dans les discussions entre amis, la musique. Et je me rends compte, plus je fais cette émission, plus je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Et je trouve ça assez marrant de discuter de ça avec les gens. Parce que, moi, j'ai toujours trouvé que c'était... Enfin, pour moi, ça a été une période, le collège, où j'ai réussi un peu à m'émanciper, justement, de ce que j'étais... en fait, je me suis rendu compte que j'étais influencé par les goûts de mes parents, par ce qui était disponible à la télévision et à la radio. Et en fait, grâce à mes potes, je me suis un peu ouvert à... tu sais, non, mais écoute, une radio, ça s'appelle Skyrock, tu vas voir, il y a des bonnes musiques qui passent dessus, des potes avec qui on se passait des CD, tu vois. Et t'as eu ça, toi, au collège, ou pas, un peu? Mais pas trop, parce que encore une fois j'avais pas gavé d'amis, tu vois, donc c'était pas du tout c'était pas un moyen de découvrir de la musique. Par contre attends, parce que juste avant je voudrais raconter une anecdote. Oui, vas-y, c'est ton émission, je te l'ai dit. Quand je repensais, c'est qu'en gros, bref, juste parce qu'après je vais raconter un truc qui a un peu touché un chien dans ma vie, mais juste avant ça, en gros, genre j'avais trouvé par terre un MP3. Voilà, j'avais trouvé un MP3 et du coup qui contenait encore toutes les chansons que l'ancien ou l'ancienne propriétaire avait mis dessus, tu vois. Et en fait, à cette époque, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais en gros, ma mère avait un nouveau compagnon et on les entendait ken, c'était pas possible, quoi. Du coup, le soir, pour dormir, je dormais, oh, je vais pas dormir avec autre chose que cet MP3 dans mes oreilles, sauf que les musiques qu'il y avait dessus, elles n'étaient pas du tout adaptées à une enfant de 13 ans. Avec
cette chanson de Dr. Dre qui s'appelle Bad Intentions, dans laquelle on entend une meuf qui jouit. Donc finalement, tu vois. Je vois très bien ce que c'est pas du tout. Et, et moi j'adorais, je suis en mode. J'allais dire que ça allait. J'allais dire, mais je respecte trop ta maman, j'allais dire, bah ça ne changeait pas de ta maman, mais c'est horrible. Mais non, mais non, mais non, mais c'est ça en fait. Et du coup, genre, moi j'étais comme ça, je m'endormais le soir avec Dr. Dre et la meuf dans les oreilles. La dame a l'air contente. Non, c'est bon, franchement, oh, pas mal. Et il y avait aussi du coup. Il y a ma mère en featuring sur un son de Dr. Dre. Il y avait aussi du coup DMX, X Gonna Give It To You, et pareil, genre, enfin, c'est fou parce que, en fait, cette anecdote, je la trouve trop drôle parce que vraiment, c'est des musiques jamais de la vie, je les aurais écoutées ou découvertes à cet âge-là, tu vois, évidemment que non. Mais ouais, c'est mais ouf. Juste, j'ai trouvé cet MP3, j'ai pas du tout supprimé les musiques qu'il y avait dessus, et je les ai intégrées, tu vois, je me suis dit, franchement, je kiffe. Non, mais l'anecdote, attends, mais l'anecdote, elle est folle parce que, enfin, déjà, ouais, trouver un MP3 et avoir la curiosité de quand même aller... brancher ton petit casque dessus et d'aller écouter en disant ouais, j'aimerais tellement revoir le moment où je l'ai écouté pour la première fois et je suis en mode ok, ouais, franchement, ouais, ça bah fait ouais, c'est allez fou. Je regarde. Et il y avait beaucoup de musique dessus. Ouais, il y en avait vraiment beaucoup, il y en avait d'autres, mais les deux là c'est les vraiment, elles m'ont vraiment marqué, quoi. Genre tu me fais le début de DMX là et genre j'ai l'impression d'avoir le MP3 là-dedans. Ouais, tu l'as dit, mais c'est fou. Elle est incroyable. Tu l'as gardé longtemps, ce MP3? Bah, je sais pas ce qu'il est devenu, non. Je pense pas. Je pense que j'ai dû le reperdre et une autre enfant, peut-être encore plus jeune, l'a repris et l'a retrouvé. C'est la vie de ce MP3, en fait. C'est comme ça que ça doit vivre, ce MP3, en fait. Et t'as eu... et après, au-delà de ce MP3, t'as eu... qu'est-ce que t'as eu comme appareil, en fait, pour écouter de la musique, toi? T'avais quoi, MP3 de ouf. MP3. Moi, j'ai gardé des MP3 jusqu'à mais il y a pas si longtemps, quand je prenais le train et tout, j'avais, mais je l'ai encore d'ailleurs, un petit MP3 à la con, parce que je trouve ça trop chiant d'écouter la musique sur mon téléphone, je perds toute ma batterie. Et du coup, pendant longtemps, je gardais cet outil qui était le MP3, alors que plus personne ne l'utilisait. Et non, ouais, MP3. Ouais, ça j'ai se fait... eu de... Ouais, ça se fait, non, ça se fait plus du tout, effectivement. C'est quoi les trucs, les iPads? iPod. Un iPod, en fait, ouais. Tout simplement, ça, j'ai jamais eu. Ouais, ça vient d'être annoncé aujourd'hui, effectivement, que les iPods, c'est fini, tout simplement. Apple arrête. En fait, il y avait encore quelques iPods qui étaient produits, des iPod Touch. Et la marque iPod, et la marque iPod est officiellement enterrée par Apple aujourd'hui, d'ailleurs. C'est pas qu'on en parle, mais ouais, c'est officiel. Et du coup, les gens se sont jetés, littéralement, sur les derniers iPod neufs en vente. C'est bon, ils vident les stocks et... et c'est terminé. Ah, c'est fou. Ouais, c'est fou. Ok, Bah, du coup, j'en ai jamais eu. Donc, ouais, en même temps, on en parle souvent dans cette émission, mais il y avait un peu deux teams. Il y avait les gens, tu sais, qui pouvaient se permettre d'acheter un MP3, ouais. Et il y avait les gens qui pouvaient se permettre d'acheter un iPod. Parce que, d'acheter un iPod, ouais. Le prix d'un iPod, c'était hyper cher, en fait, vraiment. C'est hyper cher, ouais. J'ai eu un iPod. Excuse-moi, je dis un peu le chat. J'ai eu un iPod en 2008, mais jamais utilisé. Je l'ai vite revendu. Ouais, c'est aussi une utilisation, en fait. C'est aussi toute une utilisation et un rythme à avoir. Donc, c'est tout un truc. Mais le MP3, c'était trop bien. Moi, j'ai eu un MP3 comme toi. Enfin, MP3 clé USB, c'était ça? Peut-être plus tard. Ouais, tu ouvrais. Oui, exact. Avec le petit capuchon, tu mettais la clé, tu mettais ta musique. Oui, c'est vrai. Et après, t'étais le roi avec ton. C'était cool quand même. Ouais. Quand j'étais plus jeune, des baladeurs, je pense que j'en ai eu. Mais il y avait aussi pas mal des. Enfin, je sais pas si ça a de rapport finalement, mais de graver des CD, tu vois. Ça, c'est un truc que je faisais énormément et qui m'a beaucoup servi quand j'étais ado, le fait de graver des CD, quoi. Marie Pierre. Parce que c'était. Bah ouais! Moi, j'étais une aqueuse, en fait. Ah ouais, elle était... C'était mon beau-père qui faisait, vraiment. T'étais déjà dans le web, toi, hein. Toi, t'étais déjà dans le web. Moi, j'étais... Baladeur j'étais CD. Une copine du web. Ah, oh, copine du web. Insupportable. Non, mais ouais. Baladeur CD, pour ma part, quel régal, ça sautait tout le temps d'Inao Chan dans le chat. Ouais, évidemment, hein, c'est... Le fameux baladeur CD qui n'avait pas l'anti-choc. Et qui sautait tout le temps. Moi, j'avais un baladeur CD comme ça que mon père m'avait filé, qui était trop bien, mais pareil, pas d'antichoc. Donc en fait, je me souviens que je le tenais à la main comme un débile. Tu sais,
Et je rêvais d'un baladeur anti-choc que je n'ai jamais eu. Parce qu'en fait, finalement. Non, je me souviens pas du tout qu'il y avait ce truc d'anti-choc ou pas de choc. Je pense que j'ai pas gardé assez longtemps le baladeur. Non, moi je m'en souviens parce qu'en fait, je crois que c'est ma cousine qu'on a eu un. J'étais trop jaloux d'elle. Elle était là, genre, hey, ouais, regarde-moi, tu vois, genre, tu sais, elle secouait son truc, ça sautait pas. J'étais là, genre, mais trop de chance, mais ça existe vraiment. Secouer son truc. Ouais, c'est merde. Ouais, mais ça, hey, c'est tu vois, ouais, ça saute pas. Avec les CD de la Star Academy en plus dedans, tu sais, genre. Trop méchant le truc. Alors la période collège, on va la sauter si tu veux. On peut un peu avancer. Non, pas alors, du tout. Alors oui, non, c'est parce que t'allais dire une deuxième anecdote importante dans ta vie du coup. Donc qui s'est passé au collège. C'est ça. Yes. En gros, j'avais, je pense, 13 ans. Et j'étais en vacances. Voilà. Et il y avait la radio qui tournait. Enfin, voilà. Et genre, tout d'un coup, j'entends une musique comme ça. Qui fait... Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et genre, j'ai eu une sorte de coup de foudre musical, mais vraiment quoi. Et donc, c'était Holidays de Green Day, bien sûr. Et genre, je n'avais jamais rien entendu de tel. Parce que si vous voulez, moi, du coup, bah, j'écoutais tout ce que ma sœur écoutait. Donc, c'était que des trucs un peu de rap et tout ça. Et genre, vraiment, ce morceau, mais j'en suis restée comme deux ronds de flanc. J'étais en mode, mais c'est quoi ce truc? Il faut absolument que je sache ce que c'est. Et alors, je sais plus comment je m'étais débrouillée pour découvrir que c'était Green Day. Mais, du coup, cette découverte-là, ça a totalement tout changé. Et du coup, je suis devenue hyper, hyper fan de Green Day, que j'ai découvert. Mais ça m'a aussi ouvert, du coup, à, en fait, de la musique alternative. Je dis ça parce que, du coup, c'était différent de... En gros, en fait, c'est fou, mais parce qu'au collège, j'avais vraiment ce truc... rap contre rock, tu vois. Ouais, c'est très fort, ouais. C'est vrai. En tout cas, moi, dans mon collège et dans ma vie, c'était hyper ancré. Mm. Et du coup, c'est comme si j'étais passée du côté obscur de la force, tu vois. Il y avait vraiment... J'étais dans le côté rap où j'écoutais tout ce que ma sœur écoutait, mais ça me faisait pas vibrer, tu vois. Et là, tout d'un coup, je découvre le rock et en fait, ça a tout changé. Et du coup, je suis devenue mais ultra fan hardcore de Green Day. Et en fait, ça a changé juste ma personnalité aussi. Bon, après, c'est l'adolescence, donc c'est forcément à ce moment-là où tu changes anyway, bah oui. Mais du coup, ça a vraiment extrêmement tout modifié. Genre, je pense que mes parents, ils m'ont pas reconnu en un an, tu vois. Et du coup, je suis devenue vraiment... Enfin, j'ai découvert plein d'autres trucs à cette période-là. Et ouais, ça t'a mon permis... style... pardon, vas-y. Ouais, non, mais c'est que ça t'a permis, en fait, de t'affirmer aussi de ta personnalité. Et mine de rien, c'est vachement beau. Ouais. Je trouve que c'est une jolie anecdote parce que par la musique, t'arrives à t'affirmer. C'est plus, ça. Si j'ai bien compris, dans une période, peut-être même une post-période pas facile non plus pour toi. Et je pense que tu avais peut-être besoin de te trouver aussi à ce moment-là. Et c'est cool par la musique de trouver un truc qui résonne en toi, qui te parle et qui dit non, mais en fait, ça j'adore. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a un truc un peu punk, émo. Et en fait, tu rentres dans des codes. C'est ça. Et en fait, tu vois, je ne l'ai jamais vraiment extrêmement analysé, mais au final, c'est tout bête comme raisonnement. C'est que j'allais pas bien. Bon, après, c'est le cas de beaucoup d'adolescents. Ah, oui. Et en fait, Green Day, mais après c'était Simple Plan, Good Charlotte, ce mouvement émo finalement. Ben, en fait, c'était un réconfort fou parce que c'était putain, waouh, les paroles ça me parle, mais moi aussi je vais pas bien, je pleure le soir. Et vraiment, c'est trop con, mais en fait, c'était vraiment une réponse à un mal-être, tu vois, qui faisait énormément de bien. Après, le truc, c'est que ça m'a énormément aussi, marginalisée dans le sens où, tu vois, j'ai adopté à 100% le style emo, j'avais aucun sens. Bah, de toute façon, t'as vu les photos, c'est un enfer. Je me souviens des... là, je revois une photo où tu fais un doigt sur la photo, non? C'est pas ça? Donc, la photo où t'es dans le pull avec ta... Oui, bizarrement, tu vois, il y a très peu de photos qui marquent dans une vie, tu vois. Et toute ma vie. Mais celle-là. Mais je sais que quand je mourrai, dans les flashs que je verrai, la photo de Marie Boiseau, je dirais oh là là. Oui, évidemment, évidemment. C'est dommage qu'on puisse pas montrer. Mais ça, c'était un peu plus tard, parce que avant, c'était vraiment. J'avais teint mes cheveux en noir, j'avais une frange horrible, avec des petits cheveux comme ça pour adopter la coupe emo, avec un mulet comme ça, des cheveux qui c'était hideux. Je mettais des slims qui m'allaient pas du tout. Je suis toute petite, je suis un peu dodue, j'étais vraiment, mais j'étais toute blanche. Je mettais les trucs rayés, enfin les mitaines, rien n'allait. Et du coup, forcément, et en fait, dans mon collège privé de Guérande,
j'étais littéralement la seule comme ça, quoi. Tous les autres, alors nous, c'est ce qu'on appelle les Baulois, et tous les autres, c'était pas du tout, enfin, c'était un style, voilà, d'enfant de bourgeois. Donc, ouais, j'étais hyper... Oui. On se moquait pas mal de moi. Mais est-ce que t'as la photo près de toi ou pas? Tu sais, sur ton PC comment je... Oui, tout à fait. Si tu l'as, vas-y, envoie-la sur Discord, hein, je peux la faire... je vais essayer de faire ça. Je peux l'afficher. Parce que ce serait dommage de ne pas en faire profiter à tout le monde. J'essaie de voir, parce que je me souviens que tu l'avais mis sur Twitter à un moment donné, le problème, c'est que quand on tape Marie Boiseau, la meuf, voilà... Voilà, l'illustratrice, il y a des dessins partout de Marie Boiseau sur Twitter. Beaucoup de résultats, quoi. Attends, ouais, je te mets ça. Alors, elle est référencée à fond. Oh oui, j'en ai besoin. Là, je t'envoie vraiment celle émo, quoi. C'est ce qu'on veut. Oh la vache, pardon. Attendez, on commence à la voir. Attends, on commence à la voir. Je vais la faire, attends. Je vais la faire afficher, attendez. J'ai fait un petit aperçu. Elle arrive, mesdames et messieurs. Elle arrive, ne vous inquiétez pas. Ça va être un cadeau. Attendez, excusez-moi. Elle arrive. Aïe. Mesdames, en train de regretter. Mesdames et messieurs. Tu l'as mis en énorme. Le reveal. Attendez. Oh la vache. Ah, c'est un régal. Alors désolé pour celles et ceux qui écouteraient l'émission en replay, en podcast. Bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir du quotidien. Et voilà, mais c'est exactement ça, genre la mitaine, la mitaine est sale, on le remarque, la mitaine. C'est dégueulasse, horrible. La mitaine. Mais moi aussi je trouve ça mime sans vrai. La coiffure. Moi c'est la coiffure, tu sais, on sent qu'il y a une première coiffure un peu, il y a une première coiffure, tu sais, frange un peu carré, tu sais, très court, mais il y a un reste de cheveux qui continue. Ça me fait rire parce que en plus j'ai dû vraiment montrer des photos de emo hyper stylées à la coiffeuse et elle a dû se dire bon ma fille je vais faire ce que je peux, hein. Ah oui, et ça faire, a donné ça évidemment, ouais. Donc, ouais, non. Et en fait elle est en très bonne résolution parce que c'était du coup à l'occasion de mon stage de 3e que j'avais fait chez un photographe et du coup il m'avait prise en photo. Voilà, la chance, putain, je l'ai en si haut la photo poster, je peux faire... tu peux en faire un poster, ouais, tout à fait. Ah ben écoute, avec plaisir, juste au-dessus de mon lit, Raphaël va être heureuse d'avoir ça. Ah bah oui. Ah bah j'espère. Évidemment. Bien. Mireille Mathieu plus un mulet, Tico. C'est vrai. Donc voilà, c'est comme ça, au moins vous situez bien les. Ouais, mais au moins tu t'es affirmé à un moment donné dans ta vie. Mais il y a toujours un moment, je trouve, où tu finis par t'affirmer un peu tout seul et tu te cherches. Et, et c'est toi, en fait. Tu vois. Ok, avec le recul, on en rigole et tout. Moi aussi, j'ai eu cette période où j'étais skétos et après plutôt babos. Ouais. Et quand je revois toutes ces photos, je dis putain, c'était horrible. Mais en même temps, je me dis ouais, mais c'était le moment où, franchement, j'étais content de m'affirmer tout seul et de dire à mes parents non, mais c'est comme ça que je veux m'habiller, c'est la musique. Mais c'est ça, quoi. C'est... Mine de rien, c'est hyper. Enfin, c'est. Je sais pas comment dire. Ça demandait du courage de sortir dans la rue comme ça. Oui. Ouais, mais tu vois. Surtout si tu dis qu'en plus, c'était pas forcément ton. Comment dire, le... L'ambiance et la mentalité de là où tu étais, mine de rien. Non, pas du tout. Tu t'es vraiment pas du tout. Bah ouais, et j'avais, typiquement, je pense, la même année, il y avait une meuf dans ma classe, Noémie, si tu écoutes, je te hais. Elle m'avait écrit sur MSN et elle m'avait dit genre, ouais, t'as vu ta dégaine, tu ressembles à un cadavre. Et moi, au lieu de genre, ouais, c'est hyper violent. Et au lieu de pleurer, j'avais imprimé tous ces messages MSN. Et je les avais ramenés en cours d'éducation civique. Et j'avais dit, je pense qu'on devrait parler du harcèlement scolaire. Et là, la première de la classe, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Mais attends, mais... Oh, l'engagement si jeune. Mais c'est fou, parce que quand j'y repense, je me dis, mais what? Mais ça, je sais pas. En fait, c'est trop bizarre, parce que tu te fais un souvenir de toi-même. Et puis après, par des trucs que t'as fait, tu te rends compte que... Bon, après, ça doit être insupportable pour les autres, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, mais... Mais dans tous les cas... Moi, je trouve que le move est pas mal, en vrai, franchement. Tu l'as fait dans le cadre après scolaire, tu sais, pour dire, il y a ça qui existe, en fait, tu vois, c'est... Bah ouais, c'est ça, et puis, non, je sais pas, ça je m'étais pas laissé faire, tout simplement. Ah, mais t'as complètement raison. Elle pouvait pas me chercher des noises. Juste après, elle est montée sur la table, elle a dit, ne votez pas Nicolas Sarkozy aux prochaines élections. Non, juste après, je suis montée sur la table, j'ai fait une petite démo dans ce bretonne, et là, c'est à tout ce qu'on devant le miroir. J'ai éteint les lumières, j'ai pris mes jouets photos. J'ai éteint les lumières, j'ai commencé à faire l'intention. On s'en va pas rire. Ah là là.
Ah oui, non, oui, oui. Elle se décrédibilise tout de suite, juste après un vrai engagement civique, tu vois. Non, mais ouais. Non, mais par contre, c'était hyper courageux. Enfin, c'est aussi une affirmation de la personnalité que t'étais, que, ouais. que tu voulais être aussi. C'est vachement bien. C'est, ouais. C'est trop bien. Ouais, 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 c'est surprenant, mais ouais. Mais du coup, ça m'a un peu rendue folle parce que juste, je sais plus les dates, je suis trop nulle, mais en gros, voilà, en troisième et tout, machin. Et puis, peut-être fin troisième, je me souviens, et ben la mode un peu emo, un peu rock, a un peu commencé à devenir beaucoup plus populaire. Par exemple, un truc tout bête, mais j'avais découvert Twilight, donc à l'époque c'était Fascination, les livres, et j'étais ultra fan et tout, et personne connaissait, tu vois, genre vraiment j'étais toute seule avec mon délire et tout. Et je pense fin troisième, ça a commencé à devenir super populaire, et du coup je me suis vraiment dit, putain, mais on m'a craché sur la gueule pendant des années pour que, franchement, quelques mois plus tard, tout le monde s'y mette. Bon, après, c'est la vie, hein, mais, bah ouais, c'est très souvent, les gens rejettent ce qu'ils connaissent pas, et en fait, quand ça devient populaire par une mode, un film, une série ou quoi que ce soit, bah là, tout le monde se dit « Ah, c'est pas mal, ça !» Surtout qu'en plus, de ouf. Dans les films, alors là, pour relier à la musique avec Twilight, moi, il y a un truc, moi, je suis pas fan des films Twilight, par contre, il y a un truc dont je suis fan dans Twilight, c'est que les bandes originales étaient démentes, par contre. Il y avait des bandes originales qui étaient hyper bien. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, quand t'as découvert ce du coup, film, moi, j'étais... Bah, en fait, quand les films sont sortis, j'étais plus âgée, donc ça m'a pas... C'est pas une référence pour moi, c'était vraiment les livres à l'époque. Mais oui, la BO était super, je pense. Ouais, du coup, je me souviens pas... Évidemment. Je me souviens pas vraiment en détail, tu vois. Je me souviens de news. Mais ouais. Donc après le collège et la période émo qui devient un peu plus populaire, comment t'as abordé un peu toi ton lycée ensuite? Comment ça s'est passé pour toi le lycée? En fait c'est compliqué parce que on n'est même pas après le collège. En fait c'est trop bizarre parce que cette époque-là, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il s'est passé trop de choses en trop peu d'années. Genre je ne comprends pas, tu vois j'ai plein de souvenirs et tout et je comprends pas comment j'ai pu changer autant de fois parce qu'en gros donc il y avait Green Day, il y avait voilà Simple Plan, Fall Out Boy, je sais pas si vous connaissez From First to Last, genre c'est un groupe, c'est le premier groupe de Skrillex, donc il s'appelle Sony. C'est son premier groupe, il avait genre 17 ans et c'est du screamo je crois, ils font Je connais pas du tout, vraiment je suis inconnu pour moi, je ne savais et pas ça, du tout. Et ça, putain, j'adorais, et ça me bute, parce que du coup quand on partait en vacances, je forçais ma mère à mettre ça dans la voiture. Oh, quel plaisir. Alors que ça crie quoi, ça crie de ouf. Et du coup j'avais gravé tous mes petits CD et je mettais ça, et vraiment. T'as un morceau de From First to Last que tu aimes bien? Oui, alors attends, moi j'ai mis Note to Self ou The Latest Plague. Comme la dernière peste. Le morceau que tu veux. Not to self. Ok, not to self. Et donc ça, ouais, c'est le premier groupe de Skrillex. Mais il était tout jeune, quoi. Il était mineur. Ok, moi, je connaissais pas du tout. Vraiment, c'est une découverte, pour le coup. From first to last, not to self. Okay. Ouais. Ah ouais, en plus, c'est le genre de truc. Mais moi aussi, je me suis rendu compte que... Moi, mes parents, ils étaient peut-être plus ouverts musicalement que les tiens, mais pas façon méchante, tu sais, genre il y avait plus de culture musicale à la maison. Ouais. Par contre, je me souviens quand même d'avoir imposé à mes parents un peu des dingues quand même, tu vois, genre il y a des fois, il y a des trucs que je me rappelle dans la voiture avoir littéralement dit non mais on met ce CD, et maintenant je me rappelle du CD que je leur ai imposé, je fais mais comment, enfin, ils étaient trop gentils quoi, je suis vraiment Et ils acceptaient du coup. Ouais, ils acceptaient tu vois. Comme toi. Dingue, hein, comme toi, je suis Ouais, c'est fou. Comme toi. Bah ouais, c'est ça. Genre ouais. OK, ouais. Mais c'est vrai que moi, pareil, je sais pas, j'aimerais revoir la scène où genre ma mère, elle est sur la route des vacances et t'as... et tranquille, tu vois, juste en conduite. Non, mais c'est fou. Ah là. Moi, j'ai tu te rends compte qu'il y a peut-être une bonne éducation. Moi, j'ai bien imposé le générique de Bibi Fock à ma mère, dit Tara dans le chat. Oh. Oh là là. À quelle époque? Bah, Bibi Fock, c'était... Quand j'avais 15 ans. Tara, elle est un tout petit peu plus âgé que nous, si je me souviens bien, il y a de 5-6 ans, un truc comme ça, de souvenir. Et ouais, c'est ça, en 87, ouais. Oh là là, c'est... Moi, je connais parce... super bien aussi. Ah bah, le petit rossignol de l'Aura Atlantique, on m'appelle, évidemment. Mais, non, mais vraiment, en fait, moi, j'ai un souvenir musical de... sur les génériques des vieux dessins animés que je n'ai jamais regardé, parce que c'était les génériques des années 80. En fait, quand j'allais chez mon parrain, il avait
une salle de, une espèce de salle de jeu, tu vois. Et dans un coin, il y avait en fait la, une platine vinyle. Tu sais, mais un petit meuble avec la platine, des enceintes intégrées et tout. Et je me souviens qu'il avait quelques 45 tours. Et c'était que des 45 tours en fait de Goldorak, Bibi Fock et tout. Et en fait, moi, j'ai découvert la musique en partie par ça et le vinyle. Et d'ailleurs, mon père retrouve pas la vidéo, mais en fait, il y a une vidéo de moi qui écoute un vinyle pour la première fois quand j'ai 5-6 ans, où en fait, genre, je mets le truc et j'hallucine de comment ça marche. Tu sais, je comprends pas le truc du diamant sur le vinyle et tout. Et je crois que le truc qui se lance, c'est peut-être le générique de Goldorak ou de Bibi Fock d'ailleurs. Et moi, je connais toutes ces chansons à cause de ça. Parce qu'en fait, du à coup. À cause de ça, putain, c'est trop drôle. Quand j'allais chez mon parent, en fait, j'avais trop envie de... Bah, c'est hyper fascinant et ludique quand t'es petit, je pense qu'il est bien. Ouais, le vinyle, c'est un truc de ouf. C'est vraiment trop chouette. Trop chouette. Et du coup, si tu réécoutes les génériques, tu ressens une certaine nostalgie de quelque chose ou... Ouais, en fait, ouais, c'est une... en fait, moi, je ressens une nostalgie pas des dessins animés que je regardais, parce que je les regardais pas, mais je me souviens des souvenirs d'enfance. Où on allait chez mon parrain qui habitait du côté de Poitiers, et que c'était vraiment cette ambiance où je me souviens de l'odeur du pour celles et ceux qui connaissent un peu l'odeur du vinyle un peu vieilli, ça a une odeur un peu particulière et je vois, je sais pas, peut-être je sens des odeurs, une ambiance, je me rappelle de tout un truc, enfin ça me rappelle vraiment des tout premiers souvenirs de quand j'étais vraiment tout petit quoi, le petit Benji. Tout gamin. Voilà, c'est ça. Oh, le petit tio. Mais donc t'imposais ça à ta maman. Mais quand tu disais que tu vivais beaucoup de choses, c'est que t'arrives pas à te souvenir un peu dans l'ordre de ce que tu découvrais. Ouais, pas vraiment. En fait, c'est que parce que en gros il y a une coupure un peu nette, nette pas tant, mais quand je suis passée au lycée. Mais et pourtant avant, j'ai l'impression que, enfin je sais pas, c'est trop bizarre parce que en soi, tu vois, j'ai découvert Green Day, j'avais 14 ans et j'ai quitté le collège, j'avais du coup, tu quittes le collège à quel âge, je sais pas, 16 ans. Ouais. Ouais. Mais c'est fou, enfin c'est trop bizarre. Et pourtant, j'ai l'impression que il s'est passé mais énormément de choses, genre par exemple, à une époque, j'ai été hyper fan de Indochine. En gros, il y a quelques groupes qui ont... En gros, il y a des groupes que j'aimais bien, mais tranquille, tu vois. Mais il y a des groupes où j'étais fan, genre fanatique, groupie, fan hardcore. Donc, il y a eu Green Day et Indochine. Et du coup, Indochine, donc c'était un peu plus tard que Green Day, mais j'étais fan de ouf. Et pareil, ça fait partie des groupes où du coup, j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir les voir en concert et tout. J'achetais tous les magazines qui les concernaient, j'achetais les livres de Nicolas Sirkis et tout, j'étais complètement fan quoi. En plus c'était totalement rock emo, je me souviens quand l'album Alice et June. Alice et June, c'était exactement ça. Bah ouais, là, c'était ça. Mais je pense que là-dessus on a les mêmes rêves parce qu'on a vraiment aimé les mêmes choses au même moment, parce que moi j'ai été aussi très grindé et un tout petit peu après Alice et June sort et pareil Alice et June. Pour le coup j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était fan d'Indochine quand elle était jeune, enfin pas fan mais en tout cas qui aimait bien, et du coup mon premier concert c'était Indochine pour le coup, mon vrai premier concert c'était Indochine, T'avais quel âge? C'était la tournée Alice et June, c'était en 2006, donc la chance. 14, 15 ans, un truc comme ça, j'ai fait la tournée Alice et June, c'était fou. Non mais moi j'étais comme un ouf, tu vois. Mais trop bien. La notion de concert, je la connaissais pas tellement, tu vois. J'avais juste un souvenir d'enfance d'avoir été voir Henri Dest, tu vois. Mais c'était dans une salle assis. Là, il y avait le côté les concerts que tu vois à la télé, les gens dans la fosse debout. Et là, je savais que j'allais vivre ça. Et genre, j'arrivais pas à croire, parce qu'en plus, on est arrivé tôt. J'arrivais pas à croire que j'avais Nicolas Sirkis. C'est pour ça que toi qui es à Nantes, en plus, toi qui étais à Nantes, c'était sûr qu'il passait en plus. Hein. Enfin, près de Nantes. Et en fait justement je me demande parce que je me souviens que je me souviens mais je sais pas si c'était Green Day ou Indochine, mais je me souviens de un concert qui justement passait à Nantes et en fait c'était pas possible quoi, genre je pense que j'avais dû demander à ma mère et elle avait dit c'est trop cher, c'est trop loin, on y va pas, tu vois. Et je me souviens que c'était sûr que de toute façon il passait plein de trucs à Nantes, c'est les déceptions les déceptions de jeunesse aussi où t'es dans l'entre-deux, tu sais, t'es un peu émancipé en disant que tu peux faire certains choix, comme les choix vestimentaires, les choix de ce que tu veux écouter et tout, mais t'es pas encore assez pour dire putain, j'ai envie d'avoir de la thune pour pouvoir me déplacer et aller voir un concert toute seule. Il faut que je vous lise un truc, je sais pas comment je vais réussir à le retrouver. En gros, c'est une page de mon journal intime que je trouve hilarante, où en gros, justement, j'avais 13 ans et j'étais fan de Green Day
Et je veux juste vous montrer à quel point... Ah putain, je vais peut-être mettre un peu de temps, donc je vais essayer de meubler. En attendant, je vais essayer de retrouver cette image. Pour meubler, ça va être très simple le temps que tu retrouves. Il y a Tara qui pose une question simple dans le chat, c'est que c'était quoi du coup ton premier concert? Ou est-ce que tu as déjà fait des concerts? J'en ai fait, mais alors le premier, je me souviens pas du tout. Mmh. Je pense que le premier, ça devait être... En gros, à cette époque-là, j'ai rencontré ma meilleure amie de l'époque. Et du coup, on n'était pas dans le même collège. Mais on avait justement les mêmes goûts, les mêmes, mêmes intérêts. Et je pense que peut-être avec elle ou son père était un peu plus ouvert, il y a moyen qu'il y ait eu mes premiers concerts, mais qui devaient être peut-être pas ouf dans un premier temps, dans le sens où c'était peut-être dans des salles, tu vois, à Saint-Nazaire ou je sais pas. Mmh. Et par contre, je me souviens que j'ai fait un festival... C'était à près de c'était Dinan ou Dinard, un truc comme ça. Okay. Et il y avait Alain Souchon, Marilyn Manson, c'est quand même assez étonnant. L'affiche. je sais plus c'est quoi ce festival, et je sais plus qui, et ça je pense que c'est peut-être un de mes premiers souvenirs de gros concert quand même. On va pas s'attarder sur Marilyn Manson, mais j'étais très fan aussi à l'époque, mais... Mm. Passons. Non mais c'est un truc dont on a discuté aussi avec Étienne For You quand il est passé sur la chaîne. Lui, il avait parlé du fait qu'il avait été hyper influencé quand il était jeune par R. Kelly, donc qui est aussi un artiste qu'on sait aujourd'hui plus que problématique, même d'ailleurs qui est en ce moment en procès. Mais en fait, on peut évoquer, sans s'attarder, sans écouter, on peut évoquer le fait que Marilyn Manson a été à un moment donné important dans ta vie. Enfin, tu vois, tu pouvais pas. Important, oui, j'étais bien fan, tu vois. Ouais. Et alors, du coup, j'ai retrouvé le truc. Donc, vous voulez que je vous dise ? Allez, vas-y. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Marie, j'ai 13 ans, et à part ma famille, la chose la plus importante à mes yeux, c'est Green Day. Peut-être que dans 3 ans, j'aimerais plus du tout, mais pour l'instant, ils ont vraiment une place dans mon cœur. Mais pourquoi eux? Je sais pas du tout, ça a vraiment été le coup de foudre. Certains penseront que je suis folle, mais si en 2006, ils stoppaient leur carrière, ça m'enlèverait quelque chose, même si je pourrais toujours écouter leur ancien album. Savoir qu'il n'y aurait plus de DVD, de news et surtout de nouvel album, ça me rendrait folle. Ce qui m'énerve, c'est de ne pas pouvoir apprendre la guitare. La musique, c'est clair, c'est ma passion. Quand je chante, je suis heureuse, simplement. Et la guitare électrique, ça, c'est mon rêve. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui sache en jouer, déjà, mais il faudrait aussi que je trouve l'argent pour acheter la guitare. Bon, après, là, je divague sur l'argent, mais c'est fou, non? divague sur l'argent. Ah là là, la moula. Non, mais, c'est trop mignon. Mais c'est incroyable. C'est dingue, non? Mais ce qui est fou, c'est que, du coup, j'étais vraiment, je dis, la musique, c'est ma passion. Mais ouais. Alors que, à l'heure actuelle, pas du tout. La preuve, tu vois, tu m'as demandé de faire l'émission et je me suis dit, j'ai rien à dire. Je suis pas fan de musique, tu vois. C'est dingue, je trouve ça trop drôle. Ah mais moi je trouve ça incroyable, je trouve ça trop mignon. Mais du coup, parce que du coup tu t'en parlais tout à l'heure sur la guitare électrique, du coup il y a un moment donné ça t'a quand même botté. Et à quel moment du coup t'en as fait ou t'as tenté? Du coup ça devait être vraiment peu de temps après, parce que je suis très capricieuse. Donc voilà, cache converteur, petite guitare électrique à 40 balles et ça part. Et j'ai acheté des tablatures et j'ai pas réussi avec ma petite main et j'ai abandonné. La petite main de Marie qui a fait qu'elle a la guitare très rapidement. Un petit ukulélé, ça passe, mais... Ouais, en plus, c'était bien écrit. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est mignon, quoi. C'est plutôt cool, c'est chouette. Oui, parce que j'écrivais des... Ah oui, j'ai oublié de dire ça, d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup écrit des chansons, également. Je peux vous la chanter. Bon, peut-être... J'ai l'impression de faire le clown et que c'est pas trop dans l'émission, Non. J'ai déjà dit, l'émission, c'est la tienne. Il y a pas de souci. Le but, c'est effectivement parler de musique d'abord, mais c'est aussi une manière détournée de parler de la musique. Là, c'est... Évidemment. C'est de la musique. Ah bah là, on est pile dedans. Ah bah là, on est pile dedans. Vas-y. Parce qu'en fait, j'avais vraiment une ambition de faire de la musique, ce qui est dingue, parce que du coup, c'est pas du tout resté. Mais du coup, ça s'appelait Petite Punk. Le but. Donc, ça fait... Parce que je me souviens de l'air, hein. T'es visagée, montrée du doigt, petite punk, subis ça. Mais elle est trop bien cette chanson, c'est un banger. Insultée, même humiliée, petite punk se sent comme ça. Différente des autres, vivant dans un monde à part. Peut-être bien qu'il n'y a plus d'espoir. Avec tous ces adultes racontant des histoires. Et tout ce qui l'a fait pleurer le soir. Eh mais c'est vachement bien, du Indochine à mes yeux, Didier. Non mais franchement c'est pas mal. Mais c'est un truc de fou, c'est pas... Mais t'as écrit ça à quel âge? Bah 13 ans du coup. Mais attends, mais à 13 ans t'as écrit ça, c'est fou. Non mais attends, mais c'est incroyable.
Bah putain, mais ce qui me bute, c'est vraiment de me souvenir de l'air, quoi. Genre. Mais oui, alors déjà, oui, le fait que tu te souviennes de l'air, je trouve ça vraiment très très drôle. Mais ce qui est ouf, mais ce qui est ouf, c'est que ça fonctionne, tu vois. C'est, Tu vois, s'il faut, si j'avais une main plus grande et j'aurais réussi à prendre la guitare, j'aurais composé la chanson et je serais devenue une star. Une vraie de la star. Musique. Marie Boiseau. Avec évidemment, est-ce que la photo est toujours disponible? Attends, je crois qu'elle est. Évidemment, Marie Boiseau, ouais. Évidemment. Oh là là, cette star, petite punk, évidemment. Évidemment. Ouais. J'aurais acheté le single. Mais c'est certain. Il y avait une réelle amour. Ah ouais, ça allait loin. Parce que c'est pas que t'es fan de la Starac, t'as un peu envie de le faire. C'est oui. Que t'as quand même tenté de faire de la guitare, t'as écrit des chansons, c'est pas. Tu me dis que t'as rien à raconter et. Attends, c'est déjà énorme à raconter. Ouais, j'avoue. J'ai rien à raconter, mais j'ai les chansons à vous chanter. En fuite avec Tokyo Hotel, évidemment. Ah ouais, putain, Tokyo Hotel. Ça a été important, hein, Tokyo Hotel ? Non, pas important de ouf. Moins important que pour des potes qui étaient vraiment à donf parce que j'étais un peu plus vieille. Mais oui, c'était quand même Shrey et tout. C'était quand même. Ouais, c'était mais pas de ouf non plus pour moi. Ah, moi, je me souviens. Des potes, c'est allemand spécialement pour ça et c'était vraiment à donf. Quoi. Ouais, elle parlait allemand tout le temps. J'étais en mode arrête. Arrête de parler allemand là. Oh l'enfer. Mais oui, parce que là du coup attends, on est au lycée. Ouais, moi je me souviens le lycée. Moi Tokyo Hotel c'était en 2007 et tout, c'était assez fort quand même, hein. Ouais, c'était fort, mais je pense que j'étais un peu plus vieille, mais plus vieille genre d'un an au final. Tu vois, moi j'étais déjà dans l'Indochine, j'étais déjà dans un truc Indo quoi. Ah, t'étais une Indo. Ouais. Ouais, Indo. Et j'étais très fan de Mylène Farmer également. Ah, trop bien. Parce que en fait, j'avais mon meilleur ami aussi à l'époque que j'ai rencontré dans ma première seconde, parce que j'ai fait une première seconde dans un lycée traditionnel, et du coup j'ai rencontré mon meilleur ami de l'époque, et lui il était mais fan hardcore de Mylène Farmer, et du coup il m'a passé ce truc là, et en fait Mylène Farmer, on pense pas comme ça, mais enfin j'en sais rien, mais il y a quand même un côté un peu similaire à Indochine ou à d'autres trucs, dans le sens où c'est un peu darkos quand même, tu vois, c'est un peu, je souffre, je vais pas bien. C'est un peu des thématiques un peu gothiques, tu vois. Oui, bah complètement. Ouais, complètement. Et du coup, ça me parlait totalement à l'époque. Et du coup, j'étais ultra fan de Mylène Farmer, encore à l'heure actuelle. T'as un morceau que tu veux mettre dans ta playlist, peut-être? Oui. En fait, il y en a tellement, mais il y en a tellement. Ah, que mon cœur lâche, je pense. Ok. Mon cœur lâche. Non, super. Bah, en fait, c'est marrant parce que oui, c'est les mêmes thématiques, effectivement, entre Mylène Farmer et Indochine. Et au-delà des thématiques, je pense aussi que ça fait partie, mine de rien, il y a un mépris qui est un peu pareil de certaines personnes, et qui est le même mépris pour Indochine que pour Mylène Farmer. On se moque beaucoup des gens qui aiment l'un ou l'autre, c'est assez marrant. Alors que pourtant, ils ont, je trouve qu'ils ont défriché énormément de terrain, des choses qui sont... Fin... Non mais Mylène Farmer, en vrai, c'est fou parce que, bon après, elle-même ne se médiatise pas tant, mais oui, il y a un côté Mylène Farmer un peu ridicule, un peu machin, alors qu'en fait, elle a... Enfin, je sais pas comment expliquer, je suis pas bonne à ça, mais genre, elle a fait des trucs de dingue, en fait. Elle a une carrière de dingue, elle a fait des trucs de dingue, vraiment genre... Et elle a des textes très beaux et bien tout. Bien sûr. Et donc, déjà, les textes sur l'émancipation de la femme, la culture de la sexualité ouais. Effectivement, d'en parler ouvertement, même en tant que femme. Je veux dire, juste en tant que femme, tu vois, de parler de ces sujets-là aussi ouvertement, ce qui était pas très bien vu. Oui. Et d'ailleurs, énorme icône gay aussi, tu vois, genre vraiment très importante. Dans ce milieu-là. Ce qui a gêné. C'est ça aussi qui a gêné, je pense, qui a fait que c'était facile de s'en moquer aussi à une époque où, effectivement, C'est en quelle année que l'homosexualité n'était plus considérée comme une maladie en France? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est vieux. Je crains de savoir la réponse. Enfin, je crains de ne pas la savoir, mais d'être déçu de la réponse. Je crois que la réponse, on n'est pas loin de 80... dans les 80, années 80. Ouais, 82, dit Tara, tu vois. Ouais. Et donc, mine de rien, Mylène Farmer, c'est un tout petit peu après. Donc mine de rien, pour changer les mentalités en quelques années, forcément, quand tu deviens une icône, une icône pour les personnes homosexuelles, ou en tout cas de la communauté LGBT+, de l'époque, c'est genre mal vu, en fait, et du coup c'est facile de s'en moquer. Oui, je pense que ça lui a probablement, enfin très certainement, porté préjudice, c'est sûr. Nao-chan qui dit « J'ai l'impression que les gens qui sont fans de Mylène Farmer ou d'Indochine, ils sont vraiment fans. » Mais ouais, parce qu'en fait, je pense ils sont très fans pour une raison que Marie, ce qu'on est en train d'évoquer,
c'est que je pense que pour la première fois, ce sont des artistes qui amenaient une certaine représentation qu'on ne voyait jamais, ouais, en fait. Je pense, ouais. Et du coup, les gens se sont vachement impliqués dans le dans leur fan attitude, mais en étant parce que c'est un truc qu'on essaie aussi de déconstruire sur cette chaîne, c'est que la fan attitude, faut arrêter d'avoir l'image de la groupie qui gueule premier rang ou voilà. En fait, ça a apporté vraiment beaucoup de choses, je pense, pour les gens, en fait. Et forcément, ils ont une attache émotionnelle très, 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 très forte, que ce soit pour Indochine ou Mainfarmer. Effectivement, je pense que c'est ça qui fait qu'ils sont fans, en fait, de ces groupes-là. Oui, et puis, est-ce qu'il n'y a pas un côté... Je ne sais pas du tout, parce que je ne suis pas experte, justement, en histoire de la musique, mais il n'y a pas un côté où, en gros, c'est un peu les seuls représentants de ça en France, justement. Il n'y a pas trop d'autres groupes ou d'autres personnages comme Mainfarmer français qui font un peu la même chose. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand j'étais jeune, j'ai pas trouvé d'équivalent. Ça s'est un petit peu ouvert. Ça s'est un petit peu ouvert là dernièrement. Vraiment, t'as pas totalement tort. Il y a eu quelques figures qui ont un peu émergé, mais qu'en fait, qui ont peut-être fait qu'un tube. Tu vois. Ouais. Tu penses à qui? Bah, tu vois, Desireless, typiquement, aurait pu être une grande icône. En fait, tu vois. Vraiment, c'est con. Mais oui. Tu vois. Oui, mais ouais. Tu vois, Desireless, je pense sincèrement, aurait pu être une grande icône. Oui. Je pense aussi à... merde, qui a chanté en rouge et noir. J'ai plus le nom. Jeanne Mas. Jeanne Mas aussi, mine de rien. Jeanne Mas, ouais, en fait, est un peu reconnue comme étant, dans les milieux homosexuels, une grande figure aussi. Et vraiment, en fait, c'est juste que... En fait, c'est un peu des personnes d'un tube. Alors que Mainfarmer, elle a oui, un peu transcendé ça avec les visuels, les grands tubes et, et son côté très mystérieux en plus. Mais, oui, et puis, alors, Mainfarmer, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est une artiste genre ultra complète, quoi. Ouais. Qui fait aussi les costumes, la scénographie. Et elle a fait des films aussi. Ouais, je ne sais pas si des gens ont vu le film... où Mylène Farmer joue, qui s'appelle... Merde, comment j'ai pu oublier ça ? Oh, un film, mais qui est... Un film de Laurent Boutonnat, du coup. Mais qui est trop bizarre, quoi. Ouais, genre, il est trop bizarre. Mais déjà, les clips de base sont un peu chum, tu vois, ils sont... Ah, mais... D'ailleurs, il y a un clip qui m'a marqué de Mylène Farmer, c'est celui où elle est avec sa jumelle, et il y a des serpents, c'est trop bizarre. Giorgino ? Oui, Giorgino de Laurent Boutonnat ? Oui, Giorgino ! Oui, c'est ça ! C'est ça. Trop bizarre. Si vous vous lancez dans ce film, ça clairement, je pense qu'il y a que les fans justement hardcore de Mylène Farmer qui l'ont vu, parce que vraiment il est moi-même je l'ai pas vu. J'en ai entendu parler souvent, j'ai peut-être vu quelques images même à la télévision à l'époque, mais j'ai jamais vu. Mais par contre, effectivement, pour répondre à ta question, effectivement, par contre, oui, Indochine et Mylène Farmer étaient un peu les seuls porte-étendard de toute une communauté, je pense, et, ou même juste de personnes qui se sentaient pas représentées, et ils ont été importants pour ça, mais on le voit avec d'autres icônes aujourd'hui. Ouais. Et ça, tu vois, on le voit avec des personnes comme Isol, tu vois, aujourd'hui, qui représentent, je pense, les femmes grosses, racisées. En plus, Isol entend beaucoup de choses. Et c'est cool d'avoir des artistes comme ça aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Clairement. Il y en a plus et c'est cool. Ou Christine and the Queens aussi en partie, effectivement. Oui, ouais, bien sûr. Tout à fait, ouais, c'est ça qui est trop, trop cool. Voilà. Et ça, c'est vachement chouette. Mais du coup, c'est des gens qu'on méprisait plus facilement, évidemment, puisque c'était plus facile de se moquer. Une petite pointe d'homophobie, on va pas se mentir, notamment avec Indochine. Oui. On va pas se mentir. Oui. Marie Boiseau, le lycée, est-ce que t'as d'autres souvenirs du lycée ou pas? Musicalement parlant, des choses. En fait, c'est encore une fois, c'est trop bizarre, mais en gros, genre à cette même époque, en gros, donc j'ai fait ma première seconde et. Pendant toute cette année, j'ai l'impression d'avoir un peu, et peut-être même dans ma deuxième seconde, parce que du coup, j'ai redoublé et je suis partie dans un autre lycée, donc un lycée expérimental. Et du coup, on va dire dans mes deux secondes, c'est un peu compliqué, là, j'ai l'impression d'avoir un peu découvert plein de trucs, parce que j'ai aussi eu une période un peu babos, tu vois, mais alors je peux même pas te citer de groupe, tellement ça n'a pas été si important au final, c'est juste que je mettais des Sarwell et j'avais des Ateba et voilà quoi. Mais au final, musicalement, je ne me souviens pas de grand-chose. Et j'ai eu une période un peu quepon, un peu punk, pour le petit coup. Punk, même, j'ai envie de dire. Ouais, mais du coup, à l'époque, ce qui est fou, parce que j'écrivais ça, je connaissais pas de vrai groupe punk, mais après, tu vois, c'était pas non plus une culture. J'ai pas creusé le sujet, parce qu'en fait, c'était tellement rapide et je découvrais des nouvelles choses tellement rapidement que je creusais pas beaucoup, mais du coup, Berrurier Noir, incroyable. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, Berrurier, tu peux mettre Porcherie. Ludwig von 88, là, je sais même plus comment on dit. Les Ramoneurs de Menhir, quand même! Que j'ai vu en concert, pour le coup. Allez, ouais, il y avait une petite période. Quelle période des Ramoneurs punk, bro, Magadou, je ne sais pas. Non, mais ouais, Berrurier Noir, c'était quand même. Et puis, c'était l'époque Goéland, c'était l'époque. Putain, il y avait un deuxième.
Ouais, si, Goéland, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite... Il y a une petite période un peu vaguement punk, machin. Et donc là, à cette époque, j'ai quand même fait plus de concerts parce que justement, j'étais donc avec cette meilleure amie de l'époque. Et son père, lui, il était fan hardcore de la culture bretonne, pour le coup, genre abusé. Genre, il parle breton et tout, tout. Et du coup, on allait très... Et lui, il était vraiment très déter à conduire jusque Nantes. Donc, on a fait... pas mal de concerts au Ferrailleur, je sais plus, à Doulon. Enfin, l'autre jour, j'ai capté que là où je fais de la pole dance, c'était pas loin de où j'avais fait un concert à cette époque avec que les 44 BZH, là. Et du coup, à cette époque, on faisait, et puis même dans des petits bleds autour de Nantes et tout, on bougeait un peu plus et on faisait des concerts un peu plus sales, quoi. S'ils sentaient un peu plus la bière. Ah là, c'est trop bien, mais c'est incroyable. C'est trop cool. Ouais, c'était fun. C'était un peu cool. Trop bien. Ouais, c'était chiant de dépendre. Enfin, j'aimais pas trop son père en fait. C'était un peu chelou. Mais bon, c'était quand même. Bon, c'était cool de faire des concerts. Bah, putain, anecdote hyper gênante pour moi. On était justement à la Bernerie en Ré et il y avait un groupe qui s'appelle. Putain, comment je peux retrouver ça? C'est un groupe un peu... Parce que j'ai eu aussi une période un peu rockabilly, un peu pin-up et tout. Non, mais j'ai vécu mille vies. Ouais. Tu t'es beaucoup cherché, mine de rien, j'ai l'impression. Oui, 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 totalement, oui. Mais... C'est le mot. Ça s'appelle Jency... Attends, je vais essayer de... Pornic Casino, non. Attends. Mais si, c'est ça. Je vous jure que c'est ça. Ça s'appelle comment? Comment t'écris? Alors, Jency, G-E... Non, J-A-N-C-E-E. Pornic, comme la ville, ouais, mais avec un et casino. Alors attends, parce qu'il est sous deux noms. Il y a The Jency Pornic Casino et Jency Pornic Casino. Je pense que c'est The Jency. Il y a deux groupes qui s'appellent pareil, c'est impossible. Le truc c'est est bizarre, trop précis. Ouais. Non, mais vraiment, il y a deux. Il y a The Jency Pornic Casino et il y a Jency Pornic Casino, c'est incroyable. Ils se sont trompés, ils ont enregistré les deux noms et. Donc c'est l'album Pravda, là, le truc. J'en ai pas la moindre idée. Il y a un morceau qui s'appelle Puto Crack. Oula! Quoi? Oui, oui, il y a un morceau qui s'appelle Pute au crack. Ah non! Non, non, non! Non, non, parce qu'ils sont pas français en plus. Mais il y a Pute au crack et juste en dessous, c'est que des titres anglais. Il y a She's the Girl, okay. Spellbound, mais il y a vraiment un morceau, c'est Pute au crack. Tu mets celle que tu veux parce que j'ai même pas de souvenir. Ouais. Mais du coup, c'est juste qu'on était à. Ouais, donc, c'est un peu. C'est un peu rockabilly. Bah, ouais, on va mettre She's the Girl. On va mettre She's the Girl. Allez. Et en gros, genre, on est à ce concert. Moi, là, à cette époque, j'ai peut-être, 16 ans, on va dire. Mon style n'est plus le même. J'ai un peu évolué. Je mets plus des robes. C'est un peu plus féminin, on va dire. Et j'ai des tchouches. C'est important. Vous allez voir. Parce que du coup... Excuse-moi, mais le terme ouais. Des tchouches, c'est vraiment un des trucs qui fait le plus rire au monde. Je sais pas pourquoi, mais le terme des tchouches me tue de rire. Voilà, je comprends. Et du coup, je suis rousse, parce que je suis pas rousse de base. Et là, on va dire que je commence un peu à me... construire les bases de ce que je serais vraiment... C'est compliqué cette phrase, mais voilà. Mmh. En gros, voilà, je me ressemble un peu plus, on va dire. Mmh. Et bref, tout ça, c'est vraiment hyper gênant. C'est tout ça pour dire que du coup, à un moment, le chanteur, il commence et il fait « Hey !» Et ça se trouve, c'est cette chanson, je sais pas. Il dit « It's for the girl !» Et il dit toutes les couleurs de cheveux. Et il dit « The redhead !» Donc les rousses et tout. Et là, il me capte. Et moi, je déteste qu'il y ait l'attention sur moi. Je suis timide. J'ai pas envie. Enfin, tu vois, horrible, quoi. Et il dit « The redhead !» Il fait un premier truc comme ça. Et je suis en mode « Ah, ok, ouais. » Et voilà. Et après, le mec, il sort de scène... Et il vient me chercher. Oh. Genre, il vient me chercher. C'est-à-dire que tout le monde dans le bar me regarde, tu vois. Et là, je suis en mode, un. Mais ça, c'est un cauchemar ultime, genre, c'est horrible. Et du coup, je suis en mode, non. Et il me prend le bras. Genre, il me prend avec force, tu vois. Et en fait, je capte que je ne peux pas refuser, en fait, tout simplement. Je peux rien faire parce que le mec me prend le bras. Mais c'est horrible. Et donc, il m'amène... Ouais, c'est horrible. Il m'amène sur scène... En vrai, c'est affreux cette anecdote. Mais... Et il me met sa guitare par-dessus moi. Genre, en gros, sa guitare, elle arrive là. Et lui, il est juste derrière Wham et il me colle. Oh. Genre, tu vois. Oh. Et j'ai 16 ans. Ouais, c'est ça. Et j'ai un décolleté. C'est ce que je veux dire, t'étais absolument pas majeur en plus à ce moment-là. Non, pas du tout. Et en plus, je fais 1m50, j'ai une tête de bébé. Genre, tu vois, tu peux pas, enfin vraiment. Et du coup, en gros, et il commence à jouer comme ça. Et donc, j'ai mes seins
qui font mais la castagne, genre c'est J'espère que les gens qui sont qu'en audio apprécient parce que à l'image c'est. Et je vois tout le public qui me regarde un peu gêné, tu vois, genre. Okay, ouais, ouais, c'est ça. Et moi, je ne sais pas quoi faire parce que juste. Un souvenir. Non, on n'est pas obligé de la mettre dans la playlist. Oh, on peut ne pas la mettre dans la playlist, évidemment. Oui, évidemment. Oui, non, finalement. Mais même pas, en fait. Et même pas, en fait. C'est juste une petite anecdote parce qu'en vrai, c'est un peu rigolo et en même temps, pas ouf, finalement. Ouais, bien sûr, de ouf. Non, mais le coup. Juste que, genre, ouais, mais... ça m'avait, mais. Enfin, non, pas traumatisé du tout, mais juste. Très honteux, quoi. Ouais. Et voilà, mais... deux concerts, finalement, sont pas. Mais mine de rien, c'est un sujet dont on parle trop souvent aussi. Sur... Alors, c'est dans... effectivement, c'est dans tous les milieux, mais c'est un sujet dont on parle trop souvent sur cette chaîne, avec l'angle éditorial que j'ai. Sur le comportement des groupes dans tous les milieux. Et en fait. Et que ce soit des groupes connus ou pas connus d'ailleurs, la preuve. Ouais. Même des petits groupes, en fait, le consentement, ils s'en battent les couilles et ils se croient tout permis à partir du moment où c'est. Ouais. Et c'est un peu rock'n'roll ou quoi hein, c'est un peu. En fait, ce qui est vraiment horrible, c'est que j'avais cherché. C'était le tout début des pages Facebook un peu. Et j'avais cherché en fait ce groupe-là pour voir si je trouvais la vidéo ou quoi, ou si ça avait été filmé. Et j'avais trouvé. Un autre concert, donc il avait fait la même chose avec une autre meuf qui, pareil, avait des grosses chouches, donc il y avait vraiment une volonté de chercher une meuf un peu avec des décolletés et tout. Et je m'étais dit, putain, mais je m'étais vraiment sentie comme un morceau de viande, ouais, quoi. J'étais jeune, enfin, horrible, quoi. Ouais, mais bref, voilà. C'est horrible en plus. Enfin, j'aurais peut-être pas dû partager cette anecdote. Ah bah non, mais c'est. Non, mais c'est vrai, ça fait partie de ta vie et je trouve que c'est intéressant aussi à dire que c'est pas parce que c'est des gens connus ou même des artistes qu'ils ont le droit de tout faire. Enfin, aujourd'hui, le consentement, il faut vraiment dire stop. Et c'est pas parce que c'est des artistes. Ouais. Ça fait pas partie d'un truc artistique. Hein. Non, mais c'est important de le dire. Il y a des gens qui se rendent pas compte, c'est qu'ils disent « Oh ouais, mais en même temps, ça faisait partie du délire. » Non, ouais. En fait, non. Et si vous faites partie... À l'époque, tu vois, ouais, moi, je m'étais dit ça, tu vois. Genre, ah, bah, le mec, oui, il doit faire... Enfin, ça m'avait fait sentir pas ouf, mais je me dis « Oui, bah, le mec, il fait son show, tu vois. » Enfin, il y avait un côté un peu « Ah, ça arrive, tu vois. » Ouais, c'est un truc intégré. C'est chiant. Mais bien sûr, mais ça arrive. Ouais. Et alors que, bah, non, quoi. Enfin, genre... Et surtout, il y avait vraiment un délire où, en mode, je n'avais pas le choix. Il me tirait et je pouvais pas dire... Bah, j'ai dit non, d'ailleurs, et je pouvais pas... Oui, il y a un truc de consentement qui est hyper important et vraiment, si un jour ça vous arrive, vous êtes par exemple, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à un concert, vous êtes une bande de potes, j'espère vraiment que vos potes vous défendront et diront non mais enfin, ouais. Et n'hésitez pas si quelqu'un de votre groupe d'ailleurs aussi est alpagué comme ça par un artiste et montre qu'il a pas envie et qu'il y a une façon où ça insiste un peu, faut pas hésiter à dire mais non en fait là, elle ne veut pas la personne là vraiment, genre elle veut pas quoi. Ouais, réagissez. Ouais, réagissez. Ouais. Ouais, en plus comme dit Lolina. Comme d'habitude, il y a toujours ce truc de bah si t'avais vraiment montré que tu ne voulais pas, il y a oui, ce truc c'est ça, en fait. Si je dis un truc, je casse l'ambiance forcément, tu vois, genre. Au bout d'un moment, tu sens que ça insiste, et du coup tu te dis mais je vais pas m'énerver, tu vois, ça va être horrible, je vais pas être la meuf qui s'énerve. Surtout que là clairement, tu vois, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, je pouvais pas m'énerver de. En plus, j'étais même pas en capacité de m'énerver, tu vois, genre c'était vraiment. Mais bref. Mais ouais, mais c'est voilà. Ça c'est un truc complètement intégré. Mais ça dit beaucoup, je trouve, ça dit beaucoup effectivement sur le consentement dans les spectacles, parce que ça arrive dans plein de spectacles. Ouais. Enfin, moi j'étais pas mal dans des scènes de stand-up, et le stand-up c'est la foire, tu vois, c'est la foire où les gens t'alpaguent alors que t'as pas forcément envie de parler. Et en fait les humoristes sur scène insistent, tu vois, et t'as envie de dire en fait me parle pas, moi j'ai pas envie, tu vois. Donc ouais, non mais c'est quand même une anecdote intéressante à raconter, je trouve très intéressante à raconter. Ce qui t'a fait que t'as plus jamais été à un concert de ta vie, évidemment, derrière. Jamais, je n'y ai pas remis les pieds. Évidemment, Évidemment que si, mais après, les concerts, c'est vraiment pas un truc où je... T'aimes pas trop Si, j'adore, mais j'ai pas le... Je sais pas, ça s'est pas construit en moi. Mais encore une fois, parce que j'ai pas énormément d'amis, et du coup... Ça s'est jamais fait, tu vois, genre ça s'est jamais fait. Mais ça m'arrive hein, d'aller à des concerts et tout, mais du coup, c'est pas... voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont à plein de concerts. En plus, comme je suis un peu timido, c'est pas forcément, tu vois, genre... C'est pas le truc où je me dis... Genre, tu vois, même par exemple, maintenant, tu vois, depuis que j'habite à Nantes, ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, je sais plus. En gros, je me suis jamais dit, ah tiens,
je vais aller à un concert, ça va être cool. Ah, parce que même, même seul, hein. De me dire... parce que même seul, tu pourrais y aller, parce que tu parles d'amis, tu pourrais y aller seul, un artiste que tu kiffes. Mais j'ai déjà regardé un peu, tu vois, à Nantes, justement, la programmation dans des salles Stéréolux ou le Zénith, même, tu vois, pour voir un peu ce qui se fait. Je me suis déjà, enfin, j'ai déjà eu l'idée de me dire, ah ouais, faudrait que bah, justement, je rattrape un peu ce truc-là de voir des gens en concert et tout, parce qu'en plus, j'adore ça, quoi. Mais ouais. Ouais, c'est une super expérience. Enfin, moi, je trouve que le concert, c'est une expérience incroyable. Faut l'emmener à Pat Patrouille. Oui. Je vais pas faire subir à Marie Pat Patrouille non plus, quoi. Ça va. Ça va, je vais pas lui faire subir Pat Patrouille. Une expérience traumatisante à la fois. ouais, quand même. Ouais, entre Pat Patrouille et le mec qui met sa guitare. Ouais. Je sais pas. Voilà, on vient de dire qu'il faut lui donner envie de retourner à des concerts. Je vais pas l'emmener voir Pat Patrouille. Kiddy Smile en concert que j'ai vu qui est incroyable. Ah, ça devait être hyper bien. Ça trop devait, bien. Ça devait être vraiment cool. Mais encore une fois, parce que j'adore danser et du coup, Kiddy Smile en concert, c'est hyper bien. Elle était comme ça, la Marie, elle dansait. Ah là, ouais, non, mais putain, mais. Là, tu te retrouves comme à l'époque, là, t'es à fond. Là. Mais par contre. Ah ouais! Il y a un truc dont on parlait tout à l'heure, on va faire un petit saut en avant, on reviendra, c'est pas très grave. Oui. Les gens le savent peut-être pas, donc tu fais. On dit comment? De la pole dance, du pole dance? Ouais. De la pole dance. De la pole dance. Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie la pole dance Parce que donc j'avais abandonné les cours de chant, c'est important. Voilà. Juste, tu vois, j'avais pas d'activité et surtout je voulais faire du sport parce que voilà, j'avais envie de trouver un peu mon sport et du coup la pole dance m'était venue un peu en tête parce que je trouve ça trop beau et trop cool. Et ça me faisait peur parce que je voulais, tu vois, la pole dance, on a un peu l'image des meufs très normées qui font de la pole, qui sont très grandes, très, très minces et tout, ce qui n'est pas du tout mon cas évidemment. Et du coup, je voulais trouver un cours qui serait bienveillant et un peu inclusif. Et j'ai eu énormément de chance de trouver un studio à Nantes qui correspond à ces critères-là. Et du coup, voilà, je m'y suis mise. Et en fait, c'est trop cool la pole parce que. Donc c'est du sport évidemment, c'est extrêmement dur, mais il y a quand même un côté danser et je le découvre de plus en plus, musique, qui est incroyable. C'est-à-dire que donc la pole, si vous voyez pas, en gros, soit tu fais de la pole, donc ce qu'on appelle statique, la barre ne bouge pas, donc c'est toi qui, avec la force centrifuge et l'élan que tu prends, tu tournes, et du coup au bout d'un moment tu redescends, ou sinon la barre tourne elle-même, donc c'est le mode spinning, et là en fait il faut que tu restes accroché. Alors c'est très dur, puisque tu dois porter le poids de ton corps, et tu restes accroché, et tu fais des figures, et c'est la barre qui tourne, donc toi tu tournes en même temps, donc il y a un côté aérien de ouf, et en fait, écouter de la musique en tournant et faisant tes figures et tout, c'est incroyable, genre c'est ouf, trop cool. C'est trop bien, genre vraiment, tu vois par exemple là récemment j'ai découvert Isolt, un morceau qui s'appelle Sex pour faire de la pole, il est magnifique, il est parfait, il est trop trop beau. C'est vraiment incroyable. Mettre dans ta playlist, si tu veux. Ouais, carrément. Et c'est vraiment un beau morceau. Pomme en faisant même du Mylène Farmer, justement, tu vois, je reviens un peu à Mylène Farmer en faisant de la pole parce que vraiment, il y a un côté, oui, c'est un sport, mais la musique, elle est essentielle pour ce sport. Personne ne fait de la pole sans musique. Enfin, ça arrive peut-être, mais tu vois, c'est. Voilà. Donc, ouais, non, c'est trop, trop bien, quoi. C'est génial. Tu donnes envie aux gens dans le chat, dans le cap, tu vois. Tu donnes envie. Bah, faites-en, parce que c'est trop bien. Non, mais c'est drôle, tu mets de temps en temps des vidéos sur ton Twitter. Ouais. Et je trouve ça, mais impressionnant, tu vois. Je suis là, genre... Oh, alors que pourtant, je fais rien de zinzin. Ouais, mais tu vois, moi, je me dis, c'est... tellement enfin ça se voit en fait je trouve qu'en plus c'est vraiment truc, ça se voit tout de suite que c'est physique tu vois tu dis attends bah tu sais littéralement c'est une barre et tu tires dessus moi je suis là je suis là genre, frérot moi déjà quand il s'agit de me mettre debout de ma chaise quand je suis assis je suis pas à l'aise tu vois tout le temps mais alors là franchement tu sais pas parce que des fois moi je suis pas très sportif pas très musclé mais par exemple Gauvin des fois il fait juste tu vois un peu pour rire il se met sur la pole il fait un tour et le mec il tient et il fait des trucs beaucoup plus impressionnant que je ne saurais jamais faire, donc on ne sait jamais des fois. Mais voilà, c'est quand même. C'est vraiment Gauvin qui va te voler la pole, évidemment. Évidemment. Oui, parce que c'est un voleur. T'as l'installation chez toi, c'est ça Oui, je peux vous montrer, regardez. Ah ouais. Est-ce qu'on en parlait comme quoi c'était galère pour ton studio, On en avait parlé quand on était ensemble en mode. C'est du coup, faut de la place autour. Oui, il faut avoir de la place autour. Ouais. Avoir de la place, mais c'est trop. Par contre, c'est incroyable. Et ça, t'as commencé quand ça? J'ai commencé en juin 2020, mais du coup, comme il y a eu le Covid pendant 2 ans, c'était un peu compliqué parce que le studio a fermé et tout. Donc, j'en ai pas fait régulièrement. Mais ouais, juin 2020.
C'est trop bien. Et en fait, c'est trop bien parce qu'il y a vraiment un côté... Enfin, encore une fois, j'adore danser. Et en fait, mon rapport à la musique, il est vraiment influencé par la danse, dans le sens où, à l'heure actuelle, j'aime... Enfin, la majorité des musiques que j'aime écouter, c'est parce qu'elles me donnent envie de danser, tu vois. Et du coup, pour la pole, c'est vraiment cool parce que je retrouve ce truc-là de... bah, un peu danser, quoi. Tu écoutes de la musique et tu bouges en même temps. Ouais, ça va être incroyable. Ça va être vraiment... Ouais. Ça va être une trop bonne sensation quand tu commences un peu à maîtriser. Ah ouais, c'est incroyable. Et que tu écoutes des morceaux. Il y a un peu un côté... Ouais. Mais c'est encore une fois, il y a un peu un côté trans, tu vois, genre... Tu te mets dans un... Tu te mets dans un mood, quoi. T'as tout un mood qui t'accompagne avec toi, les musiques, les mouvements... Ouais, c'est non, c'est incroyable. Ça te suit depuis toute petite, en fait, ce truc d'être habité dans la danse, dans la musique. Il faut que tout se lie. Et c'est pour ça, mais vraiment, je vais le redire, mais j'adore danser. J'adore danser. Si je pouvais, je sais pas. En fait, moi, mon rêve, vous allez me dire, c'est tout bête, c'est une boîte de nuit, mais mon rêve, c'est des endroits où tu peux juste danser. Et la boîte de nuit, je trouve, c'est compliqué parce qu'il y a tout un truc autour qui m'attire pas, je malsain, sais pas. Malsain, tu peux le dire, Marie, il n'y a pas de Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut dire les mots. Les boîtes de nuit aujourd'hui, les boîtes de nuit. J'en ai pas fréquenté des masses au final. Moi, j'entends de plus en plus de gens qui disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans des boîtes de nuit. Oui, bah ouais. C'est peut-être parce qu'il y a côté, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans les boîtes de nuit en ce moment. Il y a un problème. Je veux un endroit justement safe où on peut être soi-même, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vieux mec dégueulasse qui te pique le bras ou qui essaie de te droguer. Un truc où vraiment tu es juste là pour danser, juste écouter de la musique et danser, bouger. Et du coup, ça, c'est une grosse frustration, parce que du coup, j'ai pas ça. Mais ouais. Je te verrais trop dans un... Tu sais, il y avait des marathons de la danse, tu sais, où les gens s'arrêtent jamais de danser dans des salles... Dans des salles tu veux dire les Français qui ont failli mourir en 1700 Non, connais pas? Non. L'épidémie, ça s'appelle la... Merde, comment ça s'appelle? L'épidémie de la danse ou... Attends. L'épidémie de la danse. Non, moi je parle des. Il y a un truc aux États-Unis qui est un peu connu là-dessus. L'épidémie dansante. L'épidémie dansante. De 1518. La manie dansante. Ah non, moi je parlais des. Il y a des marathons de la danse aux États-Unis en fait où les gens dansent et le but c'est de danser le plus longtemps possible, genre pendant 24 heures et t'as des gens avec des bandeaux. Ah oui, let's go. Et qui sont vraiment en mode allez, on est bien là. Incroyable. Non, donc l'épidémie de la danse, je connaissais pas du tout ce truc là. L'épidémie. Ouais. C'est plein de Français là, ils ont dansé un max et après ils sont morts. La rue. Ah oui, c'est fou, non? Épidémie à Strasbourg. De 1518. Oui, comme dans Gilmore Girls, exactement, c'est ça. Nombreuses personnes dansèrent sans se reposer durant plus d'un mois. C'est dingue. Certaines d'entre elles décédèrent de crise cardiaque. D'accident vasculaire cérébral. Mais il paraît que c'était pas de faire, ils avaient mangé du pain empoisonné ou je sais pas quoi. Et donc ça les rendait fous, en fait, ça les a rendus dingues. Alors ils mettent... annonçant qu'il s'agissait d'une maladie naturelle causée par un sang trop chaud. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Bah, ils se disent pas pourquoi. Moi j'avais vu une histoire de pain, mais peut-être que j'ai inventé. Bon, je sais pas. Mais c'est incroyable cette histoire. Ouais. Une maladie naturelle causée. Ok, d'accord. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Oui, c'est ça, Nabouzor du pain à l'ergot de seigle. Ah oui, c'est vous êtes Matricor et Nabouzor, vous êtes tous les deux à dire la même chose. Ouais. L'ergot de seigle. Ça fait du LSD, ouais, c'est peut-être ça en fait. Mais c'est les Français, voilà, ils mangent trop de pain, et ben voilà, quand et on mange voilà. trop de pain, et bah, qu'est-ce qui se passe? Et ça finit par planer, et puis voilà, et puis après tu te retrouves comme Marie Boiseau, 6 ans, à mettre des jouets autour de toi et à danser devant un miroir. Je crois que j'avais mangé un petit peu trop de pain de seigle. Un petit peu de seigle là, elle était, ouais, vas-y là, allez, vas-y. du pain. Voilà. Et pour revenir en poste, on va aller en poste lycée, juste après ton lycée. Tu fais quoi toi après le lycée? Attends, mais non, et hop, tu vas trop vite là. Eh oh, elle m'engueule. Non. Elle m'engueule. Non, mais attends. Non. Attends, toto. Non. Là, on est au lycée. Ouais. Donc, je suis à peu près genre en première. Okay. Et là, en fait, j'ai développé une espèce d'esthétique un peu rétro, un peu vintage, un peu, je sais pas, ça va peut-être parler à certains, mais à l'époque... En plus, Internet devenait beaucoup plus présent. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à dessiner beaucoup plus et lire aussi beaucoup plus. Je sais pas comment expliquer, c'était une esthétique un peu, genre je lisais du Boris Vian, des trucs comme ça. Et j'écoutais du coup beaucoup de chansons françaises. Bien. Parce que j'ai un énorme amour pour la chanson française également. Et du coup, Cuillère Absinthe, le blog, tu parles de ça, Sophie? Bah, c'est totalement ça. Si tu parles du blog, de blogueuse mode Cuillère Absinthe, c'est...
exactement cette esthétique-là. C'est, ouais, c'était un peu... Il y avait, oui, les blog mode, puis c'était un peu bohème, un peu romantique, un peu rock et un peu rétro. Enfin... Non, je vais voir ça. Non, cuir absente, je vais essayer de voir ça. J'explique trop mal. Mais, ouais, c'était Miss Pandora, exactement. J'ai visité tous les sites de la Terre. J'ai tellement pas la ref, la vache. Ah, ouais, c'était... Ah ouais, attends. Ah, ok, d'accord. Okay. J'ai des photos. Tu vois, un peu le style. J'ai des photos, ouais. Et c'est compliqué à expliquer, je trouve. Mais c'était un peu inspiré par une esthétique un peu vintage, quoi. C'était vraiment vintage, genre. Ouais, je vois ça. J'adorais tous les objets vintage et tout. Mais c'est vrai que c'est ce qui ressort un peu de tes dessins aujourd'hui, je trouve. Sur certains... Bah forcément, ouais. Sur certaines choses que tu évoques dans tes dessins, sur certains dessins que tu fais purement, dans certaines couleurs que tu utilises, je trouve que ça évoque vachement un peu l'esthétique des photos que je vois, effectivement, sous les yeux, ouais. Effectivement, ouais. Salut Neru, salut, merci Tim, merci rien de rien pour le 17e mois d'abonnement, merci beaucoup, merci infiniment évidemment. Mais ouais, non, ouais, je vois tout à fait. Donc du coup, tu t'es mis dans ce style-là à fond. C'est ça, et du coup, là j'étais, beaucoup de chansons françaises, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, mais du coup à cette époque, enfin, je l'ai dit d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'aurais dit avant, mais du coup, j'écoutais énormément Nostalgie, la radio, ouais. Et ça m'a hyper influencée dans mes goûts musicaux de ouf. Genre mon délire, c'était vraiment dès que j'allais prendre une... Enfin, faire mes petites routines skincare. Pas du tout, mais juste... Je sais pas, j'ai vraiment ce souvenir de mettre la radio dans la salle de bain. Et c'est là que je me suis forgée une grosse culture chanson française avec plein de trucs. Et du coup, à cette époque, parce qu'il n'y avait pas encore Spotify, il n'y avait pas encore Deezer, pas trop. Pas et du coup, j'avais une playlist sur genre Windows... Enfin, le lecteur, en fait, de... Tu vois, et tu pouvais faire des playlists en fait. Et c'est trop bête parce que du coup, bah, je n'ai plus cette playlist alors que ça doit être une pépite de nostalgie. Et du coup, non, c'était pas Winamp, c'était vraiment le lecteur genre Movie Maker. Oui, Windows Media Player, le Windows Media Player. Oui, exactement, tout bête, Windows Media Player. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, j'écoutais beaucoup de chansons françaises et Boris Vian, qui fait aussi de la musique. J'étais hyper fan de Boris Vian. Évidemment, ouais. Et du coup, je peux te citer des morceaux si tu veux. Celui que tu veux, ouais. Moi-même, je me suis fait une playlist et en fait, c'est abusé parce que, en gros, sur mon Spotify, j'ai une playlist chansons françaises. Et donc là, pour ce soir, j'ai préparé une autre playlist spéciale Flonflon. Et du coup, genre, j'ai commencé à rajouter toutes les chansons françaises de ma playlist. Et je me suis dit, il faut que t'arrêtes. Mais tu peux mettre Pomme, Il était une fois. En gros, Il était une fois, c'est le groupe et la chanson s'appelle Pomme. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ah, Il était une fois. Et du coup. Oh ouais, et trop bien. Et du coup, voilà, j'ai commencé à écouter plein de chansons françaises. Incroyable. Etienne Dao. Enfin, en fait, pas tant des artistes précis, parce que en gros, en musique, je suis, comme dans la vie, très flemmarde. C'est-à-dire que, en fait, je le faisais avant, quand j'étais jeune, et que j'avais un rapport plus fan avec les groupes de musique, comme du coup Indochine. Ah oui, j'ai beaucoup écouté Les Cure aussi, j'étais très très fan. Oh, j'ai une anecdote très gênante à vous raconter après. Mais en gros, genre... voilà, donc Les Cure, c'était aussi un groupe où j'ai été très fan. Mais après, eh ben, j'étais plus vraiment fan et j'avais pas cette démarche de chercher les autres morceaux des gens. Enfin, si, Boris Vian, j'étais très fan quand même. Mais en gros, tout ça pour dire qu'en chanson française, je m'arrêtais plus à un morceau et je cherchais pas plus loin. Du coup, il y a plein de morceaux, genre Nuit sauvage, Les avions, c'est genre La nuit est belle. Elle est trop belle cette chanson. Elle est sauvage. Ouais. La mélodie, elle est belle. Il y a plein de chansons comme ça, genre Lio, Amoureux solitaire, Luna Parker, Tes états d'Amérique. Enfin, voilà. C'est plein de chansons françaises comme ça que. William Scheller, Thierry Pastor, Joe Dassin, enfin voilà, plein de trucs. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que t'écoutes Nostalgie à une époque où moi, je me souviens, enfin, dire que t'écoutes Nostalgie au lycée, c'était ringard, puissance 4 millions. Enfin, vraiment, c'était pas bien. Enfin, c'est pas que c'était pas bien vu, mais c'était ringue, quoi. C'était pas... Ouais, mais en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que du coup, à cette époque, là, j'étais dans un lycée expérimental. Donc, c'était pas du tout Qu'est-ce que c'est un lycée expérimental? Je suis désolé, je connais pas beaucoup, je suis désolé. Alors, lycée expérimental, en fait, c'est... Alors, moi, j'étais au lycée autogéré de Saint-Nazaire. Et du coup, en gros, c'est... Enfin, un lycée co-géré. En gros, c'est toute une mouvance de lycées qui veulent se démarquer du système scolaire français. Et donc, en gros, lycée co-géré, c'est que... Pour faire court, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais... En gros, l'idée, c'est que les élèves participent tout autant que les profs. D'ailleurs, c'était pas des profs, c'était des membres de l'éducation... Et en gros, voilà, les élèves et les profs participent de manière équivalente à le lycée. Donc, il n'y a pas de directeur. Enfin, voilà, il y a vraiment
Non. Ah bah il y a quelqu'un juste dans le chat qui apparemment qui cherche à être prof dans ce lycée justement. C'est incroyable. Qui cherchait des pour c'est le poste parce que je sais qu'il y a un poste vacant en ce moment pour maths ou sciences, je sais plus. C'est peut-être ça. Mais là, trop bien. J'apprends l'existence. Je ne savais pas que ça existait. C'est vrai ? Ah ouais, je connaissais. Ah ouais ? Ah ouais, je connaissais pas du tout. Ah, non, trop drôle. Et attends, les hippies là, moi, je suis pour l'école de la République avant tout, moi. C'est pas l'école de la vie, quoi. Ah, moi, l'école de la République avant tout, et après on passe. Ouais, non, je non vraiment, j'ai jamais entendu autant lycée, enfin le privé public, oui. Mais alors par contre, expérimental, j'en ai jamais entendu parler. Vraiment, je... Bah ouais, ouais. Mmh. Bah vraiment cool. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, du coup, je suis retournée au lycée à Saint-Nazaire pour faire un atelier et tout. C'était hyper drôle. Ça m'a vraiment foutu une grosse vague de nostalgie, quoi. Parce que c'est vraiment une chance, hein. Enfin, ça dépend. Ça convient pas à tous les élèves, hein, ce type de lycée. Il y a des élèves qui ont besoin d'un cadre et tout ça, mais pour... Ouais, ça a l'air. Enfin, du coup, qu'est-ce que tu t'es rendu compte de ce que ça a pu t'apporter par rapport à d'autres personnes, ce genre d'éducation, enfin, Je m'en rends compte maintenant. Ouais. J'ai un peu des regrets parce qu'à l'époque, encore une fois, j'étais hyper timide et du coup, j'ai mis du temps à m'intégrer, enfin pas à m'intégrer, mais à surtout m'épanouir en fait au lycée. Mmh. C'est venu, hein, mais au début, je sais que j'arrivais pas du tout à parler aux gens et tout. Mais du coup, oui, non, maintenant, je m'en rends compte plutôt maintenant, quoi. Mais c'est très compliqué en fait d'être dans un lycée comme ça parce que sur le coup, en fait, c'est drôle parce que voilà, j'ai été faire un atelier. En fait, le gros problème de ce lycée-là, c'est l'absentéisme. Parce que tu n'es pas fliqué, en fait. Et si tu viens pas, tu viens pas. C'est ta décision. Et on va pas appeler tes parents pour te dire « Ah, il est pas là. » Tu vois, il n'y a pas du tout ce truc-là. Mmh. Si tu veux pas venir, tu ne viens pas. Et du coup, bah forcément, bah en fait, c'est hyper dur quand t'as 15 ans, 16 ans, de t'accrocher et de prendre sur toi et de rester, tu vois. Donc forcément, il y a ce gros problème-là et qui est toujours actuel. Et du coup, je leur disais, mais en fait, franchement... Vous vous rendez pas compte, je sais ce que c'est, je suis passée par là, cette liberté, ce truc de dire putain, je peux ne pas venir en cours et c'est tellement tentant, mais les gars, vous allez regretter, je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est compliqué parce que ben, ouais. Je sais ce que c'est, on m'aurait dit à l'époque, je me serais dit, enfin, je sais pas, mais, voilà. Ouais, mais du coup, toujours plus. Moi qui étais dans un cadre public, à 15, 16 ans, 17 ans, on m'aurait dit, mec, tu peux ne pas être là, j'aurais dit, c'est ça, let's go, bah, ouais. Let's go. C'est ça. Donc oui, il y a des côtés, voilà, mais toujours est-il que du coup, le fait d'écouter Nostalgie, laisse-moi te dire que c'était pas du tout un problème, okay. C'est pas, non. Non mais c'est hyper intéressant, Tu vois, il y avait justement, c'est un lycée qui est très artistique, qui est très riche de ça, il y a plein de gens qui font du théâtre, plein de gens qui font de la musique, tu vois, les petits zozos qui font de l'accordéon, enfin tu vois, il y a vraiment un côté, enfin voilà, moi qui écoute Joe Dassin, c'était... vraiment pas le plus extrême dans le lycée, quoi. Non, mais c'est, en fait, c'est hyper intéressant parce que je connaissais pas et probablement que ça t'a permis justement ce développement musical peut-être un peu plus singulier que si t'avais été dans un cadre classique public où justement t'aurais dit que t'écoutais Nostalgie, la masse t'aurait poussé à te dire « Ah, oh, c'est ringard !» Et oui, en fait, ouais, bah du coup... En fait, après, je pense que vu ce par quoi j'étais passée au collège, tu vois, d'écouter des trucs émo et finalement de m'en foutre que les autres n'aient pas les mêmes goûts, je pense qu'au lycée, si j'avais été dans un lycée tradi, ça aurait été la même chose, je m'en serais foutue. Mais probablement que j'aurais été encore plus mise à l'écart. Enfin, ça aurait continué ce truc-là, donc ça aurait peut-être été pas ouf. Mais ouais, voilà. T'avais une anecdote gênante que tu voulais nous raconter. Ah oui, putain, parce que tu parlais de The Cure. J'ai l'impression que t'as fait un cheminement de pensée à un moment donné en disant que t'adorais The Cure. T'as un morceau avant The Cure, t'as un morceau en particulier que tu vas jouer. Lullaby. Ok, d'accord. Lullaby direct. Ok, bon, on va ajouter ça. Parce que donc voilà, j'étais très fan de The Cure et ça c'était à la même époque que Mylène Farmer, donc c'était pendant ma première seconde dans un lycée traditionnel du coup. D'accord. Ça, faut suivre un peu. Et donc j'ai découvert The Cure, gros coup de cœur, très très fan et tout machin. Et j'avais un prof de physique chimie. Qui était très fan des Cure également, et j'avais un énorme béguin sur lui, mais alors qu'il était tout vieux, tout moche, enfin, c'est très honteux de vous avouer ça, On pense à lui aujourd'hui, évidemment, on l'embrasse. On pense à lui, on salue là où il est. Et du coup, genre, il était très fan des Cure. Et voilà, j'étais obsédée par ce vieux gars horrible, enfin, l'enfer, quoi. Et en fait, à la fin du... et on a commencé un peu, je sais plus comment j'ai appris qu'il était fan des Cure, mais... En tout cas, on en a parlé, et du coup, moi, forcément, j'ai pris ça pour un signe, tu vois, genre, oh, OMG. Et du coup, genre, à la fin du lycée, donc je partais vers un autre lycée, et je l'ai trouvé sur Copain d'avant, et j'ai commencé à lui envoyer des messages, en mode, hey, bonjour, monsieur, nanana, ah, tiens, regardez, il y a l'album des Cures qui sort, nanana.
Et au début, il me répondait un peu gentil, comme un prof gentil, tu vois, genre tranquille. Et juste au bout d'un moment, je sais pas c'est quoi le message qui a été la goutte d'eau pour ce gars, mais du coup, il m'a bloqué totalement. Il a vraiment bloqué mon profil en mode ta gueule, ne me parle plus. Mais ce qui était en vrai la meilleure chose bah à oui, faire. Bah oui, il a eu raison parce que même pour lui, je pense qu'il s'est dit en fait, genre, c'est une élève qui me parle, il va partir. Non, lui, clairement, c'était ce qu'il fallait faire, tu vois. Ah bah oui, il a complètement raison, je crois. Parce que ça se trouve, il n'y avait même pas de message. C'est juste qu'il a commencé à en parler et quelqu'un lui a dit « Non, mais en fait, genre, supprime le truc et arrête la conversation immédiatement parce qu'en fait, ouais. c'est juste chelou, mec, en fait, tu vois. » Donc, t'es tombé sur quelqu'un de plutôt... Ah, oui, complètement. Mais du coup, c'est... Non mais oui, non, Oh là là, la stalkeuse, elle était cringe. Ah oui, non mais totalement. À mais mes yeux, on la cancelle, je pense que c'est aujourd'hui. Quand il m'a bloqué, je me suis vraiment dit, ah ouais, putain, la honte quoi, je suis une énorme bouffonne, ouais. Il a dû se dire. Bon oui, mais j'étais une bouffonne. Hein. En même temps, t'as commencé à lui dire, donnez-moi votre adresse, j'irai juste à côté. On écoutera Cure ensemble. Oui, évidemment, ouais, ça devenait chaud, évidemment. Ça devenait chaud. Vraiment, dans ma tête, je me disais, let's go, il va m'inviter à un concert, on va faire la route ensemble. Pas du tout. Évidemment que non. En plus, encore une fois, je ressemblais à un troll, donc parce que là, je commençais à me faire le crâne, en fait. Ah oui, enfin, je me rasais le crâne, enfin, horrible, quoi. Et je portais des morceaux de canette dans les oreilles aussi. Ah oui, donc là, non, là, c'est impardonnable. Oui. Non, un troll. Oui, non, effectivement, c'est. En fait, sans déconner, je ne me dévalue pas. J'étais, voilà, c'était mon style, c'était ma personnalité, mais je ressemblais à un troll. Je portais des morceaux de canette dans les oreilles. J'ai très peu entendu cette phrase dans ma vie, je te le dis tout de suite, c'est rare, ça fait partie de ces moments, on y est. Je te l'offre, c'est un cadeau. Mais merci, donc je voilà. Le prends comme ça. Merci. Attends, mais je peux vous donner une photo? Attendez. Bah attendez, ah bon, on bah, est quand même. Je t'en supplie, ah bah oui. Je t'en supplie. Ah bien sûr. Et Miss Meuf coffre un abonnement à Vieux Prof. Bravo Miss Meuf, incroyable. Putain, je sais pas. Attends, faut que je vous retrouve. Parce que oui, j'ai eu le crâne du coup totalement rasé. Ah voilà, celle-là elle est parfaite. Ouais. Voilà, là vous allez vous régaler là. Oh vache. Pardon. Ah ouais. Oh, je suis désolé, mais je vais rarement dire ça. Mais waouh. Ah ouais, d'accord. Attends. Attends. Waouh, attends. Je le fais apparaître chez les gens. J'aime bien le fait que je puisse illustrer mes propos. Ah ouais, non, mais là, c'est... Attendez, c'est... ça apparaît en gros plan, ouais. Ah, le gros plan. Ah là là, ah oui. Ah ouais, mais et, par contre, sous ce profil-là, t'es à peine reconnaissable, je trouve. C'est ouf. Attends, Marie, je viens... Le morceau de canette dans les oreilles. Je viens de voir le morceau de canette. Je l'avais pas encore vu. En fait, j'étais... J'étais tellement focus sur le crâne rasé et la mèche, je n'avais pas vu l'opercule de canne. Oh là, la vache, ah oui. Voilà. Je vois zéro dix. C'est pas gentil, ça. Ah oui, d'accord, ok. Bah écoute... En fait, ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que derrière, j'ai un mulet, en fait. C'est-à-dire que j'avais gardé des mèches derrière, quoi. Un mulet. Tu m'étonnes qu'il t'ait bloqué. Ah oui. On est bien d'accord, je ne me dévalue pas. Les choses sont ce qu'elles sont, quoi. Le canette, surtout, c'est ça. Il manque ce fil pour ses prochains lives, effectivement. Tu te mettras une boucle d'oreille canette en comme ça, ouais. Oh là 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 là. Voilà. Bon, bah ok, bon, bah ça c'était au lycée, du coup. Oui, c'était entre ma première seconde, deuxième seconde. Yes. Après, je me suis calmée. Et donc, t'as encore des anecdotes sur le lycée? Point de vue de la musique, peut-être? Des choses qui te reviennent? Parce que tu parlais de toute cette période très, justement, cuir absinthe. Ouais. Cuir absinthe, c'est ça? Que t'as eu plutôt fin de lycée, c'est ça, du coup? Ouais. T'as des souvenirs durant le lycée. Et en fait, à cette époque, je suis devenue, en gros... Voilà, les artistes qui ont un peu marqué ma vie, Green Day, Indochine, The Cure, Mylène Farmer, et un peu Boris Vian quand même, très fort, et Serge Gainsbourg. T'as un morceau de Boris Vian quand même, parce que tu le cites. Oui. Ouais, Boris Vian, tu peux mettre, Bourré de Complexe, why not? Ok. Ouais, Bourré de Complexe. Ouais, Boris Vian, très fort, et du coup, Serge Gainsbourg, que j'ai découvert tout simplement de manière super bête en allant regarder le film
de Joan Farr. Gainsbourg vit, je sais plus quoi, Vieorique. Ouais. Voilà. Et ça a été un énorme coup de cœur, genre vraiment abusé quoi. En genre, plus, il y, le... y a une filiation avec Boris Vian en plus, directement. Oui, bah, exactement, exactement. Et du coup, tout ça a été lié et Gainsbourg, en fait, il me parlait de ouf à l'époque parce que ça correspondait 100% à l'esthétique un peu... Vraiment, j'avais ce côté un peu vintage, les années 60. Enfin, il y a vraiment un côté voilà, qui était hyper fort. Et du coup, Gainsbourg... alors, évidemment, Gainsbourg, maintenant, c'est quelqu'un qui est très controversé parce que... En fait, c'est pour le coup, je pense... On a tous des problématiques favori. Ouais, et Gainsbourg, sûr, ouais. Je pense que c'est le mien parce que... Mm. Parce que je l'ai tellement aimé et tellement écouté et tellement, à l'époque, je voyais pas du tout... et puis à côté, en fait, je suis désolée, enfin, c'est pas une volonté d'offenser des gens ou de choquer des gens parce que je comprends tout à fait ce qu'on reproche à Serge Gainsbourg. Mais pour les fans, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un côté vraiment, tu vois, Gainsbourg qui est un personnage qui était très torturé, tout ça. Mais maintenant, effectivement, maintenant, avec mon regard féministe, je suis un peu en mode, oui, bon, bah, ça va, c'est pas une excuse, tu vois, mais voilà. Et du coup, non, et puis, enfin, c'était tellement, enfin, voilà. Des morceaux incroyables qui m'ont fait ressentir des mais trucs c'est... ouf quoi. Mais on, c'est compliqué tu, tu sais c'est que, bah, c'est exactement une discussion sans fin qu'on a beaucoup en ce moment mine de rien oui, avec bah toutes oui. les affaires qui sortent etc ouais, ouais. Là, moi oui. je suis le premier à dire que n'allez pas vous flageller oui, oui. n'allez pas faire des mea culpa inutiles parce que vous écoutez des morceaux ou des gens auxquels vous avez une attache émotionnelle forte. Ah ouais, non, l'attache émotionnelle forte, c'est une attache émotionnelle que vous ne pourrez pas enlever. Oui, parce ouais, qu'en ouais, fait, ça porte, il y a un moment donné où ça porte aussi un peu, et c'est mauvais, je trouve, la culpabilité de leurs actes sur les auditeurs et les auditrices. Ce qui est... ouais. Après, tu peux écouter. Par contre, ce qui est important, je trouve, c'est quand même écouter en connaissance de cause. Et mine de rien, il y a aussi bah, un chemin aussi qui se crée. C'est-à-dire que tu peux avoir une attache émotionnelle très forte, et ça, on a eu pas mal de discussions avec le chat là-dessus, sur un artiste, et en fait tu te rends compte que de toi-même, parce que tu as entendu des choses sur l'artiste que tu écoutes, parce que tu as lu des articles, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties, bref, et tu t'es renseigné sur le sujet, bah petit à petit tu t'es pas rendu compte mais t'as écouté moins, et c'est comme ça parce que ouais. ça commence à te déranger au début, puis en fait finalement tu commences à moins écouter, mais si vous continuez à écouter, je sais qu'il y a plein de gens dans le chat qui me parlent souvent de Noir Désir etc, je fais ouais, en fait c'est pas grave, n'allez pas vous flageller parce que vous écoutez encore, c'est juste qu'effectivement évitez d'en faire la publicité au effort et d'essayer de défendre le oui, truc en mode ça. En ouais, fait ouais. c'est là où ça devient indécent, c'est quand tu commences à défendre le truc ouais. de ouais. manière un peu cringe en mode ouais. bah Noir Désir, il y a un peu des fois pardon mais il y a vraiment certains fans qui sont en mode oh, Bertrand Cantat c'est bon il a payé il a fait sa prison oui, non, totalement et là tu totalement. Fais what the fuck quoi voilà c'est ouais. surtout pas de défendre la personne voilà et Serge Gainsbourg je comprends si ça a été important dans ta vie tu peux pas non plus le passer à côté quoi c'est normal oui non mais c'est ça clairement ouais. et c'est pour ça que j'en parle c'est que oui enfin je pense que en fait c'est important de, bah, surtout sur cette émission je pouvais pas ne pas en parler ouais. mais c'est aussi important du coup de ben bah, repréciser que voilà à l'heure actuelle forcément je pourrais pas en fait à l'heure actuelle si tu me demandes ce que j'écoute et qui j'aime, je vais pas te dire bah du coup Serge Gainsbourg, je l'adore. Bah non, tu vois, genre ouais. c'est pas possible quoi. Ouais, mais c'est important. Mais dans un contexte de le passé, voilà, forcément c'était ouf. Évidemment. Ouais. Mais je comprends ouais. tout à fait, mais c'est important. Bah comme tout à l'heure tu parlais de Marilyn Manson et on l'évoquait, c'est normal. Faut évoquer ouais. surtout quand l'artiste a été important. En fait, c'est ça serait trop bête en fait de pas en parler dans le sens où bah en plus, là, tu n'as même pas besoin d'écouter des musiques de Serge Gainsbourg. Les gens se visualisent au moins un morceau. Oui, mais par non, contre, c'est clair. Il y a clair. Un truc qui est intéressant. Je m'attarde juste encore 30 secondes sur Serge Gainsbourg. Du coup, il y a quand même un truc qui a été, je pense, plus intéressant pour toi. C'est peut-être le début de carrière très jazz de Serge Gainsbourg, non ? Finalement. Non, moi, j'ai vraiment tout aimé de Serge Gainsbourg. T'as tout aimé, toi, tout... du coup ? Oui. Autant ses débuts de carrière, autant... alors, en fait, oui. Bon, alors, la fin, un peu moins, effectivement. Mais non, vraiment, il y a plein de... Bon, mais quelle chanson de Gainsbourg ? Alors, moi, j'avais mis L'Hippopotame, qui est un morceau que j'aime beaucoup, ah ouais, du coup, de Serge Gainsbourg. Voilà. Mais du coup, non, ouais, vraiment, plein de morceaux différents. Ok. Trop bien. Me parlait. Donc, très chanson française encore. Ouais, mais de ouf, non mais vraiment, mais parce que encore une fois, ouais, il y avait aussi un côté, bah justement Serge Gainsbourg que du coup j'avais découvert avec le film de Johannes Farr qui est un auteur de BD et son film, même si je pense qu'il est pas dingue, mais à l'époque,
mine de rien, visuellement, il était hyper inspirant pour moi qui était... En fait, cette époque-là, du coup, pendant le lycée, c'est vraiment l'époque où j'ai commencé à dessiner énormément, à remplir des carnets à ras-bord et à vraiment développer mon univers graphique, on va dire. Mmh. Et du coup, c'était hyper influencé par la musique et la chanson française, notamment. Mmh. Et ce qui est drôle, juste une petite anecdote, parce que je me fais passer pour le bon prince qui dénonce le harcèlement scolaire et tout machin, mais je me souviens quand j'avais peut-être 11-12 ans, et c'était avant que je découvre Green Day et tout ça, j'avais ma cousine sur MSN qui disait qu'elle écoutait Joe Dassin. Je sais pas pourquoi je dis Joe Dassin. Je l'adore, tu vois, Joe. Je l'adore, Joe Dassin, maintenant. Mais à l'époque, j'avais été me foutre de sa gueule, mais vraiment comme une connasse. Ouais, c'est horrible. Et je lui avais dit, mais n'importe quoi, t'écoutes Joe Dassin, mais c'est tellement ringard, il y a que les vieux qui... C'est ouf, non? Mais c'est marrant. Voilà, je suis quand même une connasse. Mais du coup, ouais. C'est mais trop parce bizarre que, de rentrer dans un truc comme ça alors que tu l'as jamais vécu toi-même, c'est trop bizarre. C'est bizarre, hein. Et du coup, parce que en fait, à cette époque, c'était vraiment l'époque où du coup, j'étais influencée par ma grande sœur et c'était cynique et j'avais l'impression que c'était comme ça qu'on était cool, tu vois, en fait. Mmh. Moi, à cette époque, j'avais pas encore été moi-même marginalisée et je savais pas c'était quoi de... Mmh. Et du coup, je l'avais vraiment défoncé en mode, putain, mais trop nul d'écouter ça, quoi. Non, trop nul. Non, mais au collège, on est con, on est con, c'est pas nouveau, ouais, clairement, ouais. Il y a quand même un truc où on est un peu... Ouais, mais je tiens quand même à dire ça parce que voilà, on n'est pas toujours... Voilà. Bon, on a des fulgurances de conneries hein, ça, dans nos vies, hein, ouais. ça arrive encore même... on s'en rend pas compte, mais des fois, on dit on fait des dingueries, on s'en rend pas forcément compte, mais vraiment... Oui, j'avais 11 ans, quoi, mais... Ouais. C'est, mais n'empêche que c'est drôle, du coup, de constater que maintenant, Joe Dassin, je l'adore vraiment, quoi. Quel artiste, Joe Dassin. C'est fou. Attends, quel artiste incroyable. Ouais. On pense à lui, Joe, évidemment. Bien sûr. Il sera sûrement interviewé par Thierry Ardisson dans ce... Par Thierry Ardisson. Oh, mon Dieu, quelle histoire. Oh là là. On en parlera plus longuement plus tard de ça, je pense. Ouais. Il y aura vraiment des cahiers justement à remplir sur cette histoire-là. Ouais, tu m'étonnes. Donc du coup, le lycée, du coup, on a un peu exploré tout, non, sur la partie chanson française. Ouais. Donc qu'est-ce que tu... T'as fait après le lycée tout de suite des études qui allaient dans la direction de l'artistique ou pas? Je suis partie aux Beaux-Arts. Ok. Je suis partie un an à Lorient. Donc, j'ai fait un an aux Beaux-Arts de Lorient et après je suis partie à Angoulême. Donc j'ai fait un an aux Beaux-Arts de Lorient. Je n'ai pas validé. Donc ça, c'était à peu près en 2012-2013. Et après 2013-2014, j'étais à Angoulême. Donc là, c'était. En fait, c'est fou parce que c'était il y a quand même longtemps, mais pour moi, c'est assez récent quand même. Ouais. Et en fait, c'est bizarre parce que. Alors, faut savoir un truc. C'est que j'ai une playlist Spotify qui fait... Alors, c'est drôle parce que avant en fait, c'était écrit, mais maintenant, c'est plus écrit. Mais en gros, elle fait plus de 70 heures, ma playlist. Allez. Alors que du coup... et maintenant, c'est plus écrit. Du coup, c'est juste écrit plus de 24 heures. Mais je sais qu'elle fait largement plus de 70, si ce n'est 80 maintenant. Et du coup, c'est tous les morceaux que j'aime, toutes les chansons que j'aime. Il y a absolument tout, et il y a des trucs, enfin vraiment ça passe, mais du coq à l'âne, et en fait oui, mais il y a plein d'autres trucs que j'ai découvert pendant le lycée, que j'ai oublié de dire, il y avait vraiment Super Tramp, il y avait une grosse période, Status Quo, Sony & Cher, The Sonics, là je vous cite tout ce que je vois sous les yeux, mais voilà, il y a plein de trucs, David Bowie, comment ça s'appelle Tu vois que t'as des trucs à dire, je te l'avais dit, mine de rien, tu te rends compte. Parce que j'adore plein de trucs, mais ouais. Du coup c'est... Je sais pas, en fait, The Beach Boy aussi, incroyable. Enfin, vraiment plein de trucs. Et puis des trucs, The Psycho Killer là. J'adore. Iggy Pop, incroyable. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Les Talking Heads, incroyable. Les Talking Heads, incroyable. Exactement. Velvet Underground aussi, Bob Dylan. Enfin voilà, vraiment. Tom Waits, incroyable. Ça, c'était pendant tout le lycée aussi. Il y avait vraiment un gros truc. Johnny Cash. Beaucoup de trucs aussi, genre. Enfin, je sais pas si, parce que j'aime beaucoup la musique, mais j'ai pas une culture musicale. Je saurais pas dire si c'est exactement tout pareil, mais tu vois, par exemple, Billy Paul. Là, je vois Louis Armstrong, évidemment, Etta James, Otis Redding, Chet Baker, Donna Summer. Oh, incroyable. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Et du coup, ça s'est un peu forgé au lycée, mais parce que je pense que j'ai commencé un peu vers la fin du lycée, justement. L'accès à Internet était beaucoup plus démocratisé, et notamment à YouTube. Et du coup, il y a eu vraiment un gros boom. Et c'est pour ça que j'ai un peu plus du mal, tu vois, à te citer des artistes en particulier. Parce qu'en fait, ça s'est un peu noyé. Et puis moi, comme j'ai grandi, j'ai moins ce côté fanatique envers un artiste en particulier. Ouais. Donc ça s'est vraiment un peu noyé dans la masse
de tout ce que j'ai découvert. Et c'est pour ça qu'à partir de fin du lycée et après lycée, je vais avoir beaucoup plus de mal à citer précisément, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave. C'est tout aussi intéressant sur la façon de consommer de la musique. C'est une autre façon de parler de la musique. C'est pas grave si on parle pas de morceaux en particulier. On peut, si t'as envie, tu peux aussi juste citer 2-3 morceaux qui sont peut-être un peu plus marquants, évidemment. Mais par contre, c'est hyper intéressant parce que c'est une manière de consommer la musique et on se rend pas compte qu'il y a quand même énormément de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que on s'attarde pas forcément sur des albums, un artiste, mais en fait, aujourd'hui, la consommation et Spotify a poussé ça au-delà de s'enfermer dans des algorithmes. Est-ce que je rappelle est pas totalement vrai, hein, vraiment. Les gens ne sont pas tellement renfermés dans des algorithmes, contrairement à ce qu'on croit, d'après des études récentes. Par contre, effectivement, la consommation est plutôt celle-ci. C'est-à-dire que des gens ont des playlists ou les titres likés. Et du coup, il y a énormément. En fait, on va emmagasiner énormément des titres qu'on aime individuellement. Et on va les écouter, peu importe le style, peu importe l'artiste, peu importe. Et du coup, on va pas vraiment s'attarder sur une discographie, sur un album. Mais c'est une façon de consommer la musique comme une autre. Hein. C'est cool aussi. C'est ça. Alors, je voudrais juste, du coup, pour la playlist, moi, j'aimerais bien qu'on rajoute Wordy Rapping Hood de Tom Tom Club. Oui, oh là là, incroyable. Et également Don't Leave Me Now de Supertramp, qui est une trop belle chanson. Oh, elle est incroyable. Enfin voilà, il y a plein de chansons, Joan Jett aussi, incroyable. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs, mais un peu comme Nabuzor dans le chat, du coup, maintenant, et depuis un peu cette époque, je fonctionne vraiment beaucoup au coup de cœur. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'aime bien cette playlist comme ça, qui est très très longue, parce que chaque chanson, à peu près, je peux te dire comment je l'ai découverte, dans quel contexte, pourquoi je l'ai rajoutée, pourquoi je l'ai aimée. Parce que maintenant, c'est vraiment genre, tu vois, je sais pas. Par exemple, là, je prends au hasard, mais il y a The Boom Boom Bap d'un groupe qui s'appelle Scritti Politti. Et ça, en fait, j'avais découvert à Lorient. On avait été voir un spectacle qui, en gros, c'était un spectacle de danse qui reprenait des chansons de David Bowie et d'autres trucs. Et du coup, il y avait The Boom Boom Bap. Et typiquement, tu vois, j'avais eu un coup de cœur en mode « Putain, j'adore ce morceau ». Donc après, j'avais eu la curiosité, j'avais été rechercher le morceau pour l'ajouter à ma playlist. Et c'est vraiment que des trucs comme ça où je découvre des morceaux de quelque manière que ce soit et je les ajoute. Mais par contre, j'ai pas du tout cette curiosité, enfin pas trop, d'aller creuser en fait. Je creuse pas du tout en musique, enfin très peu, tu vois, genre vraiment, il y a un morceau qui me plaît, je l'ajoute. Des fois, j'écoute un peu ce que l'artiste fait. Et des fois, il y a des trucs qui me plaisent et je les ajoute, mais c'est vraiment, tu vois, je vais pas creuser toute la discographie de l'artiste, Mais tu vois, mine de rien, c'est pas forcément, c'est hyper intéressant ce qu'on est en train de raconter là, à travers ta vie et ton parcours. La preuve, en fait, que c'est pas à cause forcément, parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais la consommation de la musique, elle est comme ça aujourd'hui, parce que Spotify, parce que Deezer, etc. Et c'est pas vrai, parce qu'en fait, finalement, ce que t'es en train de raconter là, vis-à-vis de l'après-lycée, 2013-2014, monte à Spotify. En fait, c'est ta consommation de la musique depuis le début. Tu picores, en fait. Sauf qu'avant, tu picorais autrement, en fait. Tu tombais sur les morceaux à la radio, tu retenais un peu les morceaux que tu préférais, soit pour les graver ensuite sur les CD quand t'en as eu l'occasion. Et en même temps, je trouve que quand on avait accès aux albums, il y avait un côté où j'écoutais beaucoup plus un album en entier, tu vois. Ah ouais, quand même. Alors que c'est un truc que je fais plus du tout, pour le coup. Tu vois, genre, extrêmement rare que je me dise, ah tiens, c'est, par exemple, Isolde que j'ai cité tout à l'heure, ah tiens, j'aime bien ce morceau, vas-y, j'écoute tout cet album. J'ai la flemme, en fait. Ouais. Alors qu'avant, t'avais l'album parce que tu l'achetais, du coup, t'écoutais tout, tu vois. Donc ça, je pense que c'est la différence qui fait que je picore encore plus maintenant, tu vois. J'écoute plus d'albums en entier, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas ce truc-là. Ouais, tu l'avais. Mais tu sens, on sent par rapport à comment t'as raconté depuis le début que tu l'as. Au-delà de des albums que t'écoutais peut-être par défaut à une époque, on sent que c'était pas. T'attarder sur un album, c'était pas non plus ton truc, quoi. T'étais. Même l'écoute à la radio, enfin, mine de rien, tu vois, t'écoutais Nostalgie. Oui, par exemple. T'adorais ça parce que ça passait d'un morceau à un autre, quoi. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas te citer tel album de Green Day en telle année, ce morceau-là incroyable qu'il a fait parce que non, c'est pas. Ouais, je comprends bien, ouais. Et du coup, par rapport à tout ton post-lycée, tu es à Angoulême, tu commences à faire peut-être quelques concerts là-bas ou des découvertes qui t'ont marqué musicalement, mais peut-être pas forcément des artistes, mais peut-être plus du style, parce que t'as l'air aussi d'être quelqu'un qui fonctionne au style aussi, peut-être. Il y a quelque chose peut-être que t'as découvert à ce moment-là. Je pense que
Alors des concerts, non, pas du tout. Ouais. C'est toujours, enfin voilà. À part bah du coup, Kiddy Smile, c'était à Angoulême. Et je pense que c'est le seul que j'ai fait, tu vois. Ouais. Non, non, toujours pas. Après des styles, en fait, je crois que quand j'étais à Angoulême et jusqu'à présent, je me suis un peu réconciliée avec la musique commerciale qu'on appelle. Non pas que j'étais fâchée, hein. Je crois pas m'être déjà dit, enfin. Peut-être quand j'étais jeune, mais j'ai pas du tout ce truc en mode hein, la daube commerciale qui passe à la radio, pas du tout. Mais c'est juste que bah du coup, quand j'étais au lycée, j'étais tellement j'avais tellement de découvertes et voilà un style un peu plus affirmé. Là, en devenant adulte, en fait, tu t'affranchis aussi de codes et de cases dans lesquelles tu t'enfermais un peu. Du coup, je me suis plus et du coup, j'ai découvert quand même beaucoup de musique qu'on se dit commerciale et qui me plaisent de ouf, genre Beyoncé typiquement. Enfin voilà, des trucs comme ça, même Ariana Grande, Doja Cat, incroyable. Aya Nakamura que j'adore, beaucoup de meufs, mine de rien. Et du coup, un peu. Alors, si on veut mettre des morceaux, La Machine d'Aya Nakamura, qui est incroyable, que j'adore. Et en fait, toujours aussi avec ce principe de la danse, en fait, que là, vraiment, des musiques qui me donnent envie de danser, de bouger, qui mettent de bonne humeur et tout. Après des styles plus spécifiques, je sais pas. Mon énorme amour, mais qui vient pas de nulle part, hein, parce que je vous ai cité Venga Boys et tout ça, c'est vraiment l'Eurodance. Mais vraiment, je la bois au petit lait, celle-là. L'Eurodance ou un peu Italo Disco, tout ça. Enfin, yes. J'adore. Ma chanson préférée ever, c'est Ryan Paris, la Dolce Vita. Ah, celle-là, vous me l'ajoutez. Mais voilà, Eurodance, vraiment, j'adore ça. Évidemment, je pense que à l'heure actuelle, c'est mon style de musique, je sais pas si on peut dire, mais préféré quoi. C'est vraiment le truc qui me fait kiffer de ouf que j'adore. En plus, le morceau de Ryan Paris, il est incroyable, vraiment. C'est une dingue. Il est trop bien. Il est ajouté, évidemment. Il est ajouté dans la playlist. Évidemment qu'il est ajouté. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment que des trucs très dansants ou alors très marqués, chansons françaises. Oui, c'est ça. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la musique, même de Diana Ross, etc. Des morceaux assez dansants. C'est des morceaux qui passent plutôt sur Nostalgie, en plus aussi. C'est des vieux standards américains, mais qui passent aussi sur Nostalgie. Ah oui, de ouf. Oui, de ouf. Donc, c'est vraiment marrant. Et donc, en fait, après, ta consommation musicale reste celle-là, quoi. Maintenant, t'es dans un truc jusqu'à présent, c'est ça, ouais. Tu fais des découvertes au gré de vie, et simple. Puis... Exactement. Tu vois, là, je vais prendre ma playlist... Hop, sur Spotify, je vais à la fin, parce que du coup, je rajoute un peu... Lizzo, incroyable. Je rajoute un peu au fur et à mesure, et voilà, c'est que des chansons où, tiens, hop, ça, j'ai découvert comme ça, hop, je la rajoute. Et vraiment... Après, oui, il y a des coups de cœur, justement, Doja Cat ou Lizzo, c'est des artistes où... Shai, comment on dit déjà ? Le groupe ou non, la rappeuse. Ah, Shai. Moi, je dis Shai. Moi, j'ai Shay. Putain, mais qu'est-ce que j'adore. Ouais. Un morceau de Shay que tu veux acheter, peut-être ? Quoi ? J'ai mis Da. C'est son dernier. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. J'ai kiffé, moi. On l'a écouté la dernière fois, là, en nouveauté musicale. J'adore. Le morceau, il est incroyable. Ouais. Il est vraiment cool. Oui. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas. Mais du coup, non, ouais, on peut rajouter Da. Et donc, voilà. Il y a quand même des artistes où parfois j'ai... assez le coup de cœur pour aller chercher d'autres morceaux parce que il y a plein de morceaux qui me plaisent quoi. Mais du coup oui non c'est vraiment cette consommation de justement moi j'aime bien tes lives de découverte musicale le matin ou Louise Petrouchka parce qu'il y a plein de morceaux mine de rien j'entends et hop je me dis ah tiens ça me plaît hop je vais sur Spotify et j'ajoute tu vois c'est vraiment c'est cette consommation là et toujours avec un amour de la chanson française et notamment là, je vais me la jouer, mais c'est n'importe quoi. J'allais dire la relève, mais ça veut rien dire. Mais tu vois, genre Pyjama que j'adore, Pomme, tous ces Spice Girls, encore une fois, toutes ces chanteuses là qui sont, c'est trop bien quoi. Ouais. Et également dans la représentation, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Je trouve qu'il y a, on parle de nouvelle génération, mais je trouve que là, on a une nouvelle génération de chanteurs et de chanteuses et beaucoup de chanteuses mine de rien, qui amènent plus qu'un nouveau style musical, je trouve. Là aussi, en termes de représentation, je les trouve hyper importantes. Sur les thèmes qu'elles défendent, sur leur façon de parler, que ce soit du féminisme, de la représentation LGBT, je trouve ça incroyable, vraiment, en ce moment, on se rend pas compte de la chance qu'on vit. Moi, je trouve la scène musicale française d'une richesse actuellement qui est trop bien, qui est vraiment trop bien, trop cool.
Vraiment, je... Bah, moi, je pense que je sais pas, parce que du coup, je pense que tu t'y connais plus que moi, mais oui, oui, tout à fait, il y a non, un non, gros côté en plus, représentation. Mieux. Je pense que tu t'y connais mieux en chanson française que moi, du coup, tu vois. Parce que moi, j'ai découvert plus tardivement que toi, parce que moi, du coup, moi, j'étais dans une position très snob concernant pas la chanson commerciale, mais la chanson française, en disant ouais, la chanson française... Ça va, c'est l'amour à la plage, Aouh, cha cha cha, Marc Lavoine. Oh, attends, j'adore et Patrick Bruel. Non, mais tu vois, mais j'étais une merde. Mais j'étais oui, une merde. Non, mais oui, oui. Alors que Niagara, ça défonce, tu vois. Alors, et tu vois. Ah, et, ah mais Niagara. Oh, si on peut rajouter dans la playlist Niagara quand la ville dort, let's go. Ou Soleil okay, d'hiver, je sais pas. Ou pendant que les champs brûlent. Mais j'adore Niagara, c'est incroyable. Mais laquelle, non, je voulais aussi. Laquelle tu veux qu'on mette Les deux, on peut mettre les deux, quand la ville dort et pendant que les champs brûlent, si tu veux. Ouais, allez, allez. Okay, allez, let's go. Ok. Pendant que les champs brûlent et quand la ville dort, les deux. Un morceau que j'adore, et je pense que... Alors, j'ai pas tout écouté, parce qu'encore une fois, la flemme, mais je pense qu'elle fait des trucs trop bien, c'est PR2B. Oui. Je sais pas si vous connaissez. Et il y a un morceau qui s'appelle La Piscine. Ah ouais, incroyable. Oh là là, quelle heure. On en a parlé, l'album Rayon Gamma, pitié, ouais. Allez écouter ça. Mais tu vois, bah, typiquement, c'est justement, tu vois, moi j'ai ajouté ce morceau à la piscine et j'ai pas été écouter l'album, tu vois, alors que je devrais. C'est... Ouais. Mais des fois je le fais, des fois ouais, je me déterre un peu. Ouais, en plus ça paraît, mais c'est pas grave, tu vois, ouais, c'est ouais. pas grave. Peut-être que tu découvriras plus tard et que c'est pas grave, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. On s'en fiche, tu vois, c'est pas très, très important. Ouais. Le rythme auquel tu découvres la musique, déjà tu connais, tu vois, c'est cool déjà de connaître un morceau d'artiste et, oui. et d'en parler. Oui, oui, surtout que vraiment j'ai pas du tout ambition à. Enfin, je suis pas. Comment on dit les gens qui adorent la musique? Les zikos? Ah, non, les zikos ou quoi? Non, les mélomanes. Les mélomanes, les... mélomanes ouais, voilà, je suis pas mélomane, c'est, mélomane pas, ouais. c'est pas mon domaine. Donc voilà. Et, aussi, je prends beaucoup plaisir à. Alors, ça fait un peu vieille, je sais pas comment dire. Petite blanche qui connaît rien, mais à découvrir un peu beaucoup le rap, des choses beaucoup plus... Moi, je sais pas comment... je me sens vraiment comme une vieille meuf. J'adore mais les rap. Mais non, 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 vas-y, dis-le. Il y a pas de ils font des ici. Rimes et tout. Ils font des rimes. C'est vachement bien. Oh, et ça, ça rime, mais en rythme. C'est un truc de fou. Ça rime, quoi. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est le rap. Oh là 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 là. L'enfer. Mais voilà, je sais pas pourquoi dans ma bouche, quand je dis rap, j'ai l'impression d'être une bouffonne. Mais non. Mais je me prends à, du coup, enfin, je me prends. C'est quand même un truc que j'aime beaucoup. Meryl, incroyable. Du coup, Shay qu'on a cité. Comment elle s'appelle? Zut, zut. Attendez, je la retrouve. Une rappeuse, mais qui n'est pas française. Kitana, donc qui a fait Kitana? Je suis Julien Perse, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Princesse on Nokia. Cherche une rappeuse qui n'est pas française. Nokia. Oui, Princesse Nokia. Ah ouais, Princesse bah Nokia. Oui, en plus on a regardé une performance live mardi matin en plus sur la chaîne de. J'étais là. Ouais. Kitana, du coup, tu veux mettre? Tu veux mettre. Ouais, vas-y, Kitana. Kitana de Princesse Nokia, super artiste aussi, Princesse Nokia. Trop, trop bien. Super, c'est vraiment une grande artiste. Donc beaucoup de meufs en plus, c'est trop cool. Bon, eh ben oui, beaucoup de meufs. Ouais, c'est. Ouais. Et là, c'est même pas par choix. Non, c'est vraiment en mode. Enfin, non, c'est pas par choix, c'est vraiment comme ça que les choses se font, mine de rien. Ouais, quand je regarde justement bah, ma playlist, les derniers trucs que j'ai ajoutés, il y a vraiment peu de. Il y a peu d'hommes comparé au reste, quoi. Je vais me permettre, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, t'as un tout petit peu parlé de Gauvin tout à l'heure. Est-ce que. Ouais. Il t'a. Enfin, il est là, je sais pas s'il écoute encore, mais il est trop content qu'on parle de lui, je pense. Est-ce que vous êtes. C'est genre, est-ce que vous êtes apporté des choses musicalement tous les deux? Est-ce que t'as amené des trucs que t'écoutais pas forcément ou Je pense que oui, au tout début, quand on s'est mis ensemble, il écoutait vachement. Bah justement, mais c'est trop drôle parce que tout à l'heure on en parlait et il disait est-ce que tu viens parler de moi? Et du coup, je dis bah, je pense pas, enfin je sais pas. Connaissant un peu Gauvin, vraiment, je l'imagine avec vraiment finalement dans une posture un peu gollumesque dans un coin en disant est-ce que tu viens parler? C'est lui. Et du coup, genre, il m'a demandé c'est quoi le morceau qui te ferait penser à moi? Et du coup, j'ai dit Plastic Love de je ne sais plus son nom, mais vous allez le retrouver, je pense. Je ne sais pas du tout. Plastic Love, c'est une artiste japonaise, je crois. Maria Takagi, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Je connais ça, pas du ça. Tout. Je ne connais pas. Et ça, typiquement, c'est un truc que je connaissais pas. Et lui, il écoutait beaucoup quand on s'est mis ensemble. Et du coup, j'écoute ça et vraiment, je suis en mode en 2017. Let's go, quoi. Et après, bah on a des trucs qu'on aime bien en commun, mais je pense,
je crois pas que ce soit un... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un mélomane non plus. Mm. Après, l'autre jour, il m'a surprise parce que du coup, il écoutait les Smiths et j'étais en mode, oh bon, t'écoutes ça, toi. Il m'a dit, bah oui, mais j'écoute tout le temps. Et j'étais en mode, ah ouais, bah je savais pas. Ah bah c'est bien. Mais non, on a des goûts en commun, genre qui disent mal, justement, on avait été le voir ensemble. Et, trop bien. Et, mais on aime bien aussi, j'ai l'impression, les trucs qui dansent aussi, pas mal, quoi. Ok, trop bien, trop cool. Ouais. Pardon, je joue à Dark. Il a tout loupé. Pardon de t'embêter, évidemment. Évidemment. Je pense qu'on va arriver petit à petit vers la fin de l'émission, oui, Marie, là. Est-ce que t'as des choses que tu veux ajouter, des choses que tu penses que tu aurais oublié ou un truc que tu... Là, t'as quand même cité pas mal de morceaux d'affilée parce que c'est sur ton... T'es comme ça, quoi. Une découverte peut-être en fait, très récente. La dernière découverte que tu as fait, par exemple, qui est là vraiment, genre, ça a été une vraie claque en mode putain, ça je l'ai ajouté, tu vois. Genre, bon, alors, une claque, non, mais il y a un morceau que j'aime beaucoup et que je réécoute beaucoup là dernièrement, c'est Beau Garçon de Disease, que j'adore. J'adore et je l'écoute un peu tout le temps, quoi. Voilà, c'est un des derniers morceaux que j'ai. Enfin, c'est le dernier morceau que j'ai rajouté. Ok. Ah, tu le vois en concert demain, rien de rien, t'as quelle chance en vrai, parce que l'album L'Amour, mesdames et messieurs, ouais, t'as de la chance, Tim, vraiment, trop de chance, parce que c'est vraiment... Trop bien, s'il fera Beau Garçon, tu penseras à moi. Moi j'adore quand il dit, elle aime mon côté émotif, érotique, j'adore, tout simplement. C'est hyper mélodique, ce qu'il fait, Dizzy. Ouais, c'est vraiment... C'est une claque, mais moi c'est une... c'est une de mes plus grosses découvertes. En fait, Dizzy, c'est un artiste que je connaissais pas tant que ça, que j'ai découvert grâce aux gens de cette communauté, notamment d'ailleurs Rien de Rien. Et quand l'album est sorti, on avait commencé à écouter les premiers singles et j'ai écouté l'album en entier. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé où j'écoute l'album et d'un coup, je m'arrête de travailler. C'est-à-dire, je suis à mon bureau, parce que du coup, j'écoute vachement de musique forcément quand je travaille pour écouter un maximum de choses qui sortent et tout. Et là, d'un coup, j'étais comme ça et je me revois me mettre, tu sais, vraiment bras croisés, posé dans ma chaise en mode. Waouh, mais les mélodies sont dingo de cet album. Mmh. Vraiment, c'est... Et Beau Garçon est un très beau morceau. Très Beau Garçon, trop bien. Mmh. Ouais. Eh bien, écoute, Marie Boiseau. Ouais. On va s'arrêter. Ouais, ça fait déjà 2h30 qu'on parle. Je crois que c'est pas mal. Hein. Ça me paraît. Ouais, c'est pas mal. Et tu vois, tu disais au bout d'une heure, ça va s'arrêter. Je suis épuisée. Mais c'est bien. Je pense que j'ai bien décrit mon rapport à la musique, quoi. Bah ouais, de ouf. Ah bah moi je trouve complètement. Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci de ta confiance. C'est trop cool. Merci infiniment d'être venu dans cette émission. En plus, l'invitation s'est fait hyper tardivement, donc merci d'avoir accepté aussi aussi rapidement. Merci infiniment. Est-ce que tu veux parler, faire la promotion de quelque chose Venez sur mes streams. Ok. Voilà. Okay, simplement. Bah, venez aller sur les streams de Marie. Oui, évidemment, voilà. C'est vrai que je l'ai pas dit. Acheter des canevas aussi. Et acheter des canevas, canevas fatal, évidemment. C'est vrai que je l'avais pas dit, mais il y avait une commande Marie Boiseau, mais qui existait depuis qu'on avait fait un live Starac ensemble. D'ailleurs, faudrait le refaire en plus, un live Starac. Tu étais là le jour où j'avais annoncé que Michal venait sur la chaîne. C'est vrai. Et puis, en plus, il paraît que tu vas re-regarder la saison 1, c'est ça? Tout à fait, madame. Et ben alors là, invite-moi quand tu veux. Ok, et ben ça sera avec plaisir de t'inviter effectivement pour le retour de la nouvelle saison de la Star Academy. Comme on était très peu à la regarder, j'avais dit qu'on remettra la saison à partir de la rentrée de septembre. Tout à fait, ouais, on va faire ça. Ouais, bah, et ben je te réinviterai évidemment avec plaisir sur cette chaîne, tout à fait. Une dernière question que je pose toujours maintenant à mes invités, là depuis 2-3 numéros. Tu as aimé cette émission? Tu as aimé participer? Ça a été? J'ai détesté. Et franchement, j'ai ça s'est senti. Ça s'est senti chaque seconde qui était. C'est faux. C'était vraiment très cool. Très bien. Et est-ce que tu verrais quelqu'un faire cette émission? Est-ce que tu aurais le souhait de voir quelqu'un? Si tu devais me donner un nom qui pourrait faire l'émission. Bah, j'ai envie de dire copain du web, mais je sais qu'il acceptera absolument jamais de la vie. On a évoqué ça une demi-seconde et tu connais copain. Oui. Il m'a clairement dit qu'il. 100% non. Putain, Pèlerine. Ouais, d'accord. Pèlerine qui fait de la musique. Ouais, tout à fait. Qui doit avoir vraiment beaucoup de choses à dire. Horty, Bagheera, tout ça, mais après. Mais ouais, Pèlerine, ouais. En plus, elle est passée. En plus, elle est passée sur mon live il y a quelques jours. Elle m'a follow en mode. En plus, elle me dit. Elle me dit, mais je croyais que je te followais. Donc, elle a l'air de connaître en plus un peu la chaîne. Donc, bah, super. Écoute, ah, bah oui, Pépé, super quoi. Ok, ouais. D'accord. Ok, bah trop bien. En plus, je l'adore. Enfin, je la trouve. J'adore son contenu aussi. Enfin vraiment, ok, d'accord. Du coup, elle, c'est une vraie zikose quoi, donc. Oh, elle adore la zik, j'ai l'impression là. Ah bah ouais. Une vraie zikose. Elle cherchait le terme.
Bah écoute Marie, merci infiniment, merci de ta confiance, merci d'être restée avec moi pendant merci deux heures. Merci d'avoir invité. Qu'on m'a fait ta vie, bien sûr. La playlist de la vie de Marie est à retrouver immédiatement sur Spotify en faisant la commande Veridisco dans le chat. L'émission, si tout va bien, sera disponible en replay. Alors, pas demain, mais la semaine prochaine. Je vais toujours essayer d'attendre maintenant une petite semaine, histoire que l'émission vive en replay sur la chaîne Twitch un petit peu. Mais elle sera disponible en replay la semaine prochaine sur YouTube et en podcast audio. Du coup, maintenant, toutes les émissions Veridisco sont disponibles en podcast audio. Hein, l'émission avec Maudit qu'on a fait il y a deux semaines et sur YouTube. Attendez, et sur, je peux faire un truc podcast. Avant de partir. Ouais, vas-y, bien sûr, vas-y. En fait, vous connaissez l'application BeReal. Ah, le truc de... Mais tout le monde... Juste prendre une petite photo, parce que sinon, après, j'aurais pu en apprendre. Mais c'est marrant, BeReal, j'en ai entendu parler il y a un mois et demi, et là, d'un coup, j'ai l'impression que c'est en train de devenir... Tout le monde a BeReal, quoi. Oh, ça a coupé. Vas-y, bah, vas-y. Mettez-vous sur BeReal. Mais ça a coupé, c'est pas vrai. Mais parce qu'en fait... Oh, attends, je vais vous expliquer après. Vas-y, explique BeReal. Ah, très bien. Ah, j'ai ouvert la bouche, c'est pas grave, ça part. En gros, c'est une application où tu dois poster une photo par jour, mais la notif arrive... Arrête. Imagine, je t'avais pas regardé pendant... Ouais. Ce serait resté moi, comme ça. Et moi, pour la vanne, j'étais prêt à rester 10 minutes comme ça. J'ai vu dans tes yeux. Ah moi, j'ai tout chaud, déterminé. Et du coup, genre, voilà, t'as une notif, en fait, à n'importe quelle heure de la journée, et tu dois faire une photo directe. Alors... Évidemment non, parce que là, par exemple, la notif était c'est un peu triché, évidemment. 7h. C'est un peu triché, mais l'idée, c'est que t'as pas de filtre et en fait, tu prends une photo de la caméra front et back, tu vois, genre ta tête et ce que tu regardes. Voilà, mais le problème, c'est qu'en fait, des fois, t'as la notif quand tu glandes rien et tu sais que tu vas faire un truc un peu cool après et du coup, c'est nul parce que t'as toujours la même photo devant mais j'essaie de le faire, j'essaie de m'inscrire sur BeReal. Et ben voilà, une bonne recommandation de Marie en plus, inscrivez-vous sur BeReal. Mais là, j'essaie déjà, j'appréhende tout juste TikTok, Marie. Ah oui, c'est vrai. Mais là, le problème... Alors, une chose à la fois. Alors attends, non mais attends, j'ai commencé à appréhender, mais là, le problème, c'est que je suis tombé dans un vortex, là. C'est terrible, ah ouais en fait. Non mais je... Mais t'as un bon feed maintenant ? Ah mais j'ai un feed qui me commence à me plaire de ouf, et c'est le problème. Ah bah, let's go ! Je commence à comprendre le truc de... En fait, tu te mets dessus, et au bout d'un moment, t'es là genre... Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Ah c'est cool ouais, c'est... et tout. Ah, c'est et ouais, c'est mais trop bon, c'est marrant, c'est trop bien. Pour faire bah, justement, il y a plein de musique en plus sur TikTok et c'est ouais. Cool pour ça. Ouais. Mais bon, Marie, c'est merci vrai. Beaucoup, ouais. Merci encore, merci au chat évidemment. Merci à toi. Merci à la modération évidemment, merci à Tara qui a rempli la playlist merci de Spotify Tara. Pendant qu'on discutait en plus, donc celle qui s'occupe de ça pendant l'émission. Donc merci à toi, merci à toute la modération, merci aux incroyables gens du chat. Désolé, je vous ai pas forcément dit bonjour ou je vous ai pas forcément remercié pour toutes les subs, les follow etc. Mais merci infiniment de votre soutien. Si tout va bien, alors j'ai pas encore l'invité de la semaine prochaine, mais normalement si tout va bien, Veridisco reviendra la semaine prochaine, mercredi à 18h. D'ici là, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour celles et ceux qui font le partage et qui soutiennent tout le travail. Merci pour vos gentils commentaires dans le chat. Merci à Marie. Merci tout le monde. Ciao. Et surtout, eh bien, restez curieux.